sais pas si elle est celle-là ce soir. Bah tu m'étonnes gros que Chantal Eldor gros, vu ce que je l'ai mis hier frère. Non, hier elle a fait une nuit blanche gros. Ah, pourquoi elle a fait une nuit blanche? Pourquoi elle a fait une nuit blanche, pourquoi elle a fait une nuit blanche à ton avis gros? T'étais pas là gros, t'étais pas là. Ah, j'étais pas là. Pourquoi elle a fait... Mais j'étais en elle. Non, bah ça revient à la même chose gros. Le nouveau compresseur de Franker, c'est un... C'est quoi ça? C'est quoi le nouveau compresseur de Franker? Eh, hey, il y a Mehdi qui m'a envoyé une vidéo à vous montrer, mais je peux pas vous la montrer les gars parce qu'elle est trop hardcore. Dis-leur juste de suivre quel compte là sur Insta limite. Ils veulent voir la vidéo. Mais tu peux pas la montrer parce que c'est chaud. Connexion est terminée, ok. Ah non, c'est mal. Ah, tu peux m'envoyer le lien, Tiger, s'il te plaît. Il sortit un compresseur de son, ça met au même niveau. Genre, Mehdi, je l'entends grave bien. Ouais. On voit pas des... Ah, ok, cool. Merci. C'est un compresseur de son. Attends. C'est quoi la game? Alors, par rapport à la date, la plus récente, je pense. Attends, c'est quoi, c'est comment ça on voit par DM, j'ai pas compris. Parle à moi là gros, j'ai l'impression qu'on est dans une deuxième dimension encore. Mais gros, il se parle à toi depuis tout à l'heure gros. Mais tu viens de me dire quoi là, j'ai rien compris là. Lion par DM, elle t'a envoyé quoi? Par DM? Ouais Lion. Il lui met ça, mais t'as envoyé par quoi? Mais gros, tu comprends pas quand je te parle, Mais je comprends pas, wesh, quoi? Vas-y, laisse tomber, gros, tu fais exprès. Mais non, gros, j'ai rien. Comment ça DM? Qui DM? Personne me DM, moi, je suis un bolo, ça skip. Personne me DM dans le monde. Je comprends pas, genre, lui que j'envoie un message et tout, il comprend pas. Gros, je comprends rien. T'inquiète frère, en fait y'a rien depuis tout à l'heure, je me fous ta gueule. T'es un mytho gros, je souris, y'a vraiment un truc. Non. En fait Lion il a resub, tu vois, pour aller 8 mois de sub, tu vois. Ouais. Et il s'est dit, bah c'est quoi là, genre Lion de DM? En fait, il dit de la merde depuis tout à l'heure gros. Putain gros. Et moi je me disais que j'ai regardé Twitter, Insta, SMS pour si je m'avais vraiment envoyé un truc ou quoi que je devais comprendre. Désolé. Merci Didi, merci pour les 16 mois, Christophe, merci pour les 33 mois. Tu lances ton live à midi ou pas? Non. Bah je vais beaucoup live là pendant les vacances là. Ah oui. La semaine prochaine, donc, tu voudras pas que la semaine prochaine gros on se fait une petite aventure tu sais sur un nouveau jeu? Parce que là vu qu'on va le finir ce soir là ce jeu. Viens la semaine prochaine on fait un nouveau truc, je sais pas, un Minecraft. Ils ont déjà à proposer un bon jeu. Dying Light. Oh. Viens on fait Dying Light pendant une semaine là. On le finit en une semaine gros. Pas chaud hein. Bon Anaïs, elle vient ou pas? T'arrives Tiger, tu fais oh oui, ah non. T'as dit quoi pour que Tiger il... C'est le planète machin. C'est quoi ça? Nanou, tu veux me faire une crise de d'asthme ovérial pour ça?
What? Quoi? Hein? Attends, faut que j'appelle Anaïs. Non, mais je comprends pas, y'a un problème là, gros. En gros, y'a un problème, gros. Je t'ai vendu sur FT, comment ça? En gros, y'a un problème. C'est quoi le problème? Oh non, y'a un problème, gros. Quoi? Il y avait plus de mayonnaise, gros. J'en ai marre. Anaïs, deux secondes. Anaïs Marion et demoiselle sur le TeamSpeak. Je répète, Anaïs Marion et demoiselle sur le TeamSpeak. Ta gueule. Attends, Anaïs, dépêche-toi, viens, t'attends. On est sur le bateau. Okay. On va voir ce que c'est répond. Mais je pense qu'elle taffe demain, en fait. Je crois qu'elle taffe demain et elle sera pas là. Je crois. Hein. Je crois. Je vais pas dire de conneries, mais je crois. Non, mais gros, je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment un autiste. Hein. Pourquoi? Non, mais gros, je t'entends en double depuis tout à l'heure. J'étais en train de chercher partout, mais c'est parce que j'avais ton live à côté avec le son. Okay. Ah, vas-y, putain. J'ai une balle dans le pied. T'es vraiment fucked up, man. Moi, je suis fucked up, le bouchette, gros. Je l'ai vu tout à l'heure. Il sort de ma bouchette. Hein. Je l'ai vu tout à l'heure. Mec, j'ai eu un fou rire de ouf. J'ai rigolé pendant au moins 2 minutes. Je faisais que rigoler. Ah ouais, à ce point-là. Je pleurais de rire. Et tu sais, après, je me calmais et je repartais sur un fou rire. Eh, hey, gros. Archi marrant le bouchotte, vraiment archi marrant. Il y a un passage surtout là avec le chinois et tout. Eh, je te jure, il m'a tué de rire. Alors. Sergei travaille les gars ce soir. De pute là, niquer le truc là. Demain, elle se lève à 5h30 du mat parce qu'elle bosse, d'accord. Donc là, elle est couchée et elle va mettre ton live et puis elle va vous regarder de loin dans son lit. Non mais attends, il faut qu'elle soit là, faut qu'elle pêche et tout, nous. Vas-y, c'est bon, on joue avec des gens inutiles. Vraiment des gens inutiles. ça m'exaspère de jouer avec des gens comme ça, je te jure. Récupère des... les graines, là. Enfin, les... Lesquelles, les graines de quoi? Pour les arbres, les séquoias. J'en ai plein, j'arrive. Okay. Je suis en PLS, là, j'arrive. Bah oui, le problème c'est qu'en fait, s'il est pas là, qui va faire à manger en fait, ça le truc. Guys, on a besoin d'une femme sur ce bateau. S'il y a pas de femme, qui va nous faire à manger? Tiens, gros, je te mets où? Je te mets en haut? Ouais, pars même pas en couille, hein. Mange pas. Eh, gros, tu manges comme un fils de pute. Gros, mais non, mais t'as vu comment t'as mangé comme un fils de pute, gros? Il y avait deux trucs sur le truc là. Il y avait deux trucs dans le truc, il y avait que deux bouffes là. Non mais gros, mais mange pas tout, Mehdi. Non mais là fait, je vais pêcher, je mange jure, uniquement, je vais mange uniquement quand tu sais quand t'as faim. Mais mange pas plus ah, en fait. Ah j'étais en train de bégayer, gros. Oui mais, t'as mangé 4 fois. Si, ah, mange qu'une fois en fait. Anaïs elle est pas là, gros, je voulais prendre sa canne à pêche. Oh merde. Est-ce que le miel. On peut rechercher le miel. Attends, j'aurais lu l'étape de recherche. Allez là. Est-ce qu'on peut rechercher le miel, genre? Ah non, on peut pas. Ah, mais genre, non, là, pas, genre mais... là, on a tous les crafts, là, c'est bon. Bah, normalement, on a tous les crafts, quoi. Ah ouais. Merde, j'ai mis où le miel? Ah ouais. Ah ouais. Eh, j'avoue, Shania, tu peux venir jouer avec nous? On a besoin d'une meuf pour faire à manger, là. Je me sens seul, là. J'ai l'impression qu'on va crever de faim. De s'occuper des rennes, s'occuper de Serge le lama. Ouais. Faire la bouffe, pêcher. Après, Chénette, on finit le jeu ce soir. Hein. C'est quoi ça là? Pourquoi y'a ça là? J'ai jamais fait gaffe. Non! C'est bon. Ouais. Anaïs, ça roule? Tu peux venir, tu peux venir jouer avec nous, on finit le jeu là ce soir là. Anaïs, on finit le jeu ce soir, donc tu peux venir vite fait
Genre, au pire, tu dormiras demain après-midi, tu feras une sieste, tu vois. Mec, tu peux me faire une canne à pêche, s'il te plaît? Ouais. Ça, je vais. Fous le coffre, fous le poisson là. Sac ou poule, sac ou perle, pas si, pas là, 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 sac ou poule, sac ou perle. Tiens. Tiens. Ça va cuire. Yamama, yamama. Mettez de l'eau dans le distributeur, d'eau pour animaux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, oh, il est plein déjà. Il est plein? Ouais. T'as mis de douce ou de salé dedans? Je sais pas, c'était déjà rempli quand je suis arrivé. Donc. Attends, je vais remplir. C'est bon, c'est bon, j'ai rempli fort avec de douce. J'ai mis de douce, gros, j'ai mis de douce. Sac ou poudre, sac ou perle, pas si, pas la la la, sac ou poudre, sac ou perle. Oh oh, ya mama, ya mama. C'est quoi cette musique? Sac ou perle? Je sais pas, c'est une musique qui passe à l'ancienne, gros. Tu sais, les genre. Ils dansaient là. Je crois que c'est des Africains, je crois qu'ils dansaient, je sais pas où là. Archi marrant. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est genre fou là? Ok. Vas-y, on y va. Non, on n'y va pas, gros. Laisse-moi pêcher, looter ce qu'il y a en dessous et tout avant d'y aller. On n'est pas bien là, Snake. Il n'y a pas de bouffe. Genre, on n'est pas bien. Eh, il faut plus de récupérateurs d'eau en vérité. Enfin, de recycleurs d'eau, hein, je pense. De recycleurs d'eau? Comment ça? Tu sais, de trucs là qui purifient l'eau. Parce qu'en fait, j'aimerais faire des trucs pour les fruits. Genre, parce que gros, en fait, ils sont où? J'ai déjà fait deux bacs à fruits là. Ils sont où les bacs à fruits? J'en sais, moi. Elle les a posés où, Anaïs? Mais si, j'avais fait deux bacs à fruits là, ils sont où? Elle les a enlevés. Ouais, mais ils sont où? Elle les a posés où? Bah, pour refaire tout ça. Ah, bah, je sais pas. Ah, bah, sur elle. Là, non, c'est bon, j'ai. Attends. Prendre ça aussi. Ok. Viens. Il attaque. Putain, hey, gros, il attaque. Non. Oh, j'ai mis deux coups. Préparer un peu là. Moi, je sens faire plus l'accent brésilien. Oh non. Je comprends pas là, je comprends pas. Football. Je fais le plant. Je mets le plant en haut là. Je mets là le plant en haut. Oh non, ça fait un épouvantail par contre. C'est les mouettes attaquent en fait. La bouffe, sérieux? Ouais, attaque les plantations en fait. Enfin, un épouvantail? Ouais. Mais pas d'épouvantail? Ah si. Mais si. T'en fais un et tu les poses genre au milieu de. Ça dépend. Et aussi, c'est bon. Batterie, elle est à plat, je la jette, hein, ça sert à rien. On peut la recharger? Je pense pas. Hein. Bon, je. Attends, mais c'est quoi le champ d'action d'un épouvantail? C'est grand ou pas? Aucune idée. J'ai jamais utilisé. Ok, je le pose entre les deux. C'est l'épouvantail numéro 1. Non, il faut le grain de. Oh, j'ai encore faim là. Oh là là. Ok, on fait quoi? Des pastèques ou on fait des ananas? C'est quoi le mieux? Je sais pas si. Bah, le pastèque, je crois. Hein. Mais la pastèque, je crois qu'il faut le mettre dans le moyen et les petits. Ouais, vas-y, on va essayer. Attends. En fait, les deux vont là-dedans. Vas-y, tu sais quoi, je fais pastèque, ananas. Ananas. Eh, mais attends, mais gros, le jeu il est baisé en fait. Pourquoi donc? Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une mini ananas qui grandit. Sérieux? Va voir. Regardez, c'est une mini pastèque en fait qui va grandir. Oh, les fils de pute, ils ont fait. En fait, c'est le même modèle mais qui est miniature. T'es mal, ananas. T'as vu ou pas? Wouah! En fait, c'est une mini ananas. Et en fait, elle va grandir. C'est pareil pour les palmiers. Ah bon? Ah ouais, mais en fait, c'est pareil pour tout en fait. En fait, c'est des mini arbres. C'est des mini. Ah ouais! Attends, j'arrose. Est-ce qu'on peut arroser avec l'eau de mer? Non? On peut pas?
Mais-y. Je sais pas, moi j'arrose. Non, je crois qu'il faut de la douce. Les plantes, tu es en train de me dire que les plantes aiment la douceur? Au fresh requise. Ah, il faut le fresh. Arrosé, arrosé. J'ai arrosé fort. On y va. Oh, il arrose. Eh, merde, j'ai mangé, je vais pas manger. La bouteille pleine. Bon, on y va ou quoi là? Mais gros, tu fais quoi? T'attends quoi là en fait? T'attends quoi en fait? Je pêche, gros, putain, laisse-moi remplir le coffre truc parce que. Là, t'as looté ce qu'il y a en dessous? T'as récupéré des. Non, pas encore. Mais tu veux vraiment qu'on loot ce qu'il y a le. Ce bateau? Je vais. Je pars en couille, faut que j'arrête. Attends, d'abord, lui, je vais le niquer là, comme ça, on va pouvoir looter fort. Ah, en plus, j'ai même pas de place sur moi. Attends. D'abord, faut que je me vide. Ça va me vider d'abord. J'ai trop de trucs sur moi en fait. Oh! Oh la salope! Non, c'est bon, elle a un pétard. Oh, je la nique. Mais t'as vu? Ah ouais, ouais. Elle s'approche, gros, j'ai vu. J'attends. Il va attaquer toute pite. Oh, j'ai mis 3 coups. T'as tout loot sur l'île? Bah, je crois que oui. Je vais quand même aller faire un tour en plus en speed. Le miel, l'ours, tu l'as recané. Ouais. Hein? L'ours, tu l'as cané? Ouais, j'avais cané tout à l'heure là, mais je vais quand même faire un tour vite fait. Comme ça, s'il a respawn, on peut avoir encore de la bouffe quoi. On commence à avoir pas mal de bois, c'est bien là. Bah, surtout si on veut agrandir. Ok. Vas-y, j'y vais. Je vais farmer. Sale bâtard, t'as un sac à dos, wesh. Ah, je fais le sac d'eau. Tu le veux, je veux pas, tu le veux? J'ai pas besoin, tu moi. Tu veux pas? Bah. Et c'est utile ou pas? Tu rends mon live ou pas? Ouais. Ah, ça rajoute ça là. La case où il y a la viande. Cases, ouais. Ouais, 5 cases, absolument. Donc, en vérité, c'est pas très utile. Mais c'est mieux que rien. Je suis un peu trop en forme ce soir là. Je sens que dans 2 heures, je vais être en mode. Alright, gay, t'inquiète. Je vais être claqué de ouf. Merci beaucoup, Passing Game, pour les 14 mois. Merci, Malou, pour les 41 mois, mesdames et messieurs. 41 mois de présence, 41 mois de soutien. Ah, le fils de pute. Ah, le fils de pute. Ouais, 41 mois, t'as vu, c'est un fils de pute. Ils ont niqué les ananas. Non, t'es un mytho. Ils ont vraiment volé les ananas. Mais il sert à rien, l'épouvantail de mort, là. Mais gros, il est juste à côté, en plus, c'est des ananas, l'épouvantail. Alors, il sert à quoi vraiment là? T'as acheté où ton pull? Où les graines là, d'ananas et tout là? Elles sont en bas, vers le barbecue. Barbecue? Ouais. J'ai mis un peu de gloss tout à l'heure là en début de live. Il pleut dans ma chambre. Tiger il est ravagé gros. Hey, dans la chambre de Tiger il pleut gros. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah de ouf. Eh hey, Tiger frérot, écoute-moi. Si tu veux vraiment une chambre, dis-moi, tu viens dormir à la maison frère. Y'a pas de problème. Ah bah oui t'as... Ouais, non ok mais en même temps c'est un sgeg frère, il a la fenêtre ouverte ça. Ah, je l'ai pas vu.
sac ou poule, sac ou perle, pas si, pas de là, sac ou poule, sac ou perle, oh oh, nya mama, nya mama. Tue-le, mais non, mais c'est bon. Je vais me plus faire fister que je vais le tuer. Tranquille, genre, il va me donner 4-5 steaks, ou 4 steaks, c'est bon, genre, c'est pas là. Il va me donner 4 steaks. Les petits servent à quoi? Les petits. Oh, y'a! Nique ta mère! Nique ta mère! Attends, l'épouvantail, il sert à rien. Ah ouais, ça va? Ah ouais, gros, j'ai dû monter pour niquer le. La mouette. Je sais pas comment il fonctionne, mais. J'ai chaud à la tête devant le barbecue. Vas-y, vas-y, mon live soir, il est full retard là, ça, y a un problème. Oh, l'autre il pleut dans sa chambre, l'autre il a chaud devant le barbecue. Vas-y, je comprends plus rien. C'est le tarmac, c'est quoi, frérot? Je comprends plus rien, putain. Amène-le jusqu'au bateau, c'est plus simple. Non, bah les coups. Les gars, il va juste ramener, genre, il va juste donner genre 3-4 pillons de poulet, c'est bon, genre c'est pas de. Ah, mais j'ai déjà été là. Tu sais que je jouais à Raft quand j'étais sur Itch.io. Ah ouais? C'est ouf. Wow. Et tu peux nous en dire un peu plus? Ça te fait quoi de savoir que maintenant Raft est sorti sur Steam et tout? Est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur ton expérience vidéoludique personnelle? Ça m'intéresse. Je veux savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a transcendé, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aller plus loin, etc. J'aurais tellement dû faire des palmes, chat. J'aurais dû faire des palmes, c'est ce que vous auriez dû me dire. T'en avais pas déjà? Non, ouais, parce qu'en fait, elle s'use, c'est déconsommable, en fait, des palmes. C'est pas comme dans Subnautica ah, ou. Okay. Eh, Breath Edge, me dit, il est archi lourd. Breath Edge? Breath Edge, ouais, faut que tu le fasses. Si tu l'as pas fait, faut que tu le fasses. Il est vraiment lourd. Donc tu peux faire une bite là, ou je sais pas, ouais, quoi là? Ouais, ouais, dans l'espace là. C'est, en fait, ça sort de Subnautica dans l'espace. C'est vraiment, vraiment bien. Ce jeu n'a aucun sens, t'es ma. On grille pas du steak sous l'eau, frère. On grille pas du steak sous l'eau, nous. Come on. Hey, j'ai bu et j'ai grillé un steak sous l'eau, au calme. Normal. Nous, déjà 5-6 ans. En avant, le gameplay était cool, mais voilà, ça n'a pas besoin d'expression. Mais ouais, ouais, mais moi j'avais aussi joué au jeu il y a 2-3 ans. Et quand il était vraiment. En fait, il venait d'arriver sur Steam, tu vois. Et effectivement, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit actuellement. Là, typiquement, on a devant les yeux un jeu vachement poussé, que ce soit d'un point de vue artistique, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue gameplay. Enfin, clairement, tout a été retravaillé, remanié de fond en comble, et clairement ça me transcende de voir que ce jeu est parti pour être l'une des perles vidéoludiques de ces prochaines années. Clairement. Vas-y, puis hey gros, vas-y, plus rien. Attends, je vois d'abord ce qui est sous l'eau. Non, je vais voir ce qui est sous l'eau, mais je pense qu'il y avait un truc sous l'eau. Je sais qu'on a des causes sans looter sous l'eau. Ouais, ouais, c'est t'as raison. C'est pour ça que je vais aller voir vite fait ce qui est sous l'eau et après on se pète. Parce que c'est bon là, typiquement. Oh, il arrive loin, là, je l'ai vu se poser. Putain, elle a encore pété un truc, j'en suis sûr. Non, non, t'inquiète. Je peux arriver, alors rien. Natel point péta. Elle n'a point eu le temps de nous vilipender nos fruits. Bravo, Mehdi. Je suis fier de toi. Ceci est. Et ceci est. C'est pute. Ah non, c'est bon. Il y a plus de rien, tu as tué le rien, tu as tué le rang.
Non, non, je l'ai pas tué. Ah non, il est, je le vois, son joueur. Ceci est principalement dû au fait que vous ayez intervenu. Attends, Mehdi, hein, merci beaucoup encore une fois pour votre réactivité. Et je vais me faire barre de fait. Hein? Ne connaissez-vous donc pas le Barle? J'ai eu vent de se dire dans une lointaine contrée, mais je n'ai point eu la définition. Ma définition! J'ai pété les plombs! Si Mais je sais pas, genre, en fait, parce qu'il fait nuit, on voit rien en fait, c'est ça ce qui est chiant. Comme elle vient de tomber, gros, genre, ça fait. Elle vient, on se barre. Genre, viens, on navigue vers une autre île. Ah, y'a un truc là. Viens, on navigue vers une autre île et on verra. On verra s'il y a pas un truc. Hello, Shaky, dans un jeu. J'ai peur. Ok, on l'occupe pas maintenant. Bah, le problème, c'est s'il nous attaque, il est low HP, il nous attaque. Il m'a soulevé, gros. Il nous attaque pendant qu'on est en mer, ça va être chaud. Hein. Ouais, je sais. On le retuera après, tu vois. Vas-y, go, on y va. On allume les. Ah non, c'est bon. Pas la peine. On se barre là. Ah, mais t'as tourné. Il attaque, Snake. Il nous vole, il pète les fruits. Putain, merde. Ok, laisse-le venir. Ah, mais ça, on peut récolter, gros. Pourquoi t'as pas récolté? Je voulais te laisser découvrir cela. Ah, merci, mon amour. En fait, les fruits, Mehdi, c'est grave rentable. Je t'explique, hein. Les fruits, c'est grave rentable. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on agrandisse, qu'on rajoute encore un truc de. D'arbres, là. Non, d'arbres encore. Faut vraiment qu'on ait une production constante de bois. Ah oui, mais. Non. Ah merde. Ok, t'avais raison. Bon bah. Tu récupères? Ouais. Je vais fermer la boîte. Non, t'inquiète. Bon, je suis là. Bon? Ouais. J'ai pété les plombs. À un moment donné, il baisse les bras. Allez, meurs, bâtard. Non, mais sincèrement, l'épouvantail, il sert à quoi? À réduire le temps de. De cuisson. Il vient l'attaquer ou. Le scammer. Eh, hey, mais. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, tu sais quoi? Viens, on va tout droit. Ok, et on active le moteur. Une batterie, c'est cher ou pas? À la limite, tu fais une batterie, on essaie de trouver. Pas l'île Balboa, mais genre. Il y a d'autres îles, quoi. Allez, c'est super. On drague tout. Attends, faut tourner parce qu'il y a des barils là-bas, là. Attends. Allez. Merde. Il attaque, fils de pute! Mais je gros! Oh, tu l'as baisé, gros, GG! Récolter. Oh putain, je peux pas récupérer. Je suis blindé. Tu veux que je récolte? Je peux récolter, moi je la passe. Ça, j'arrive, du coup. Ouais. C'est bon, tu as pris? Ah! Ouais, les ananas, c'est super. Vas-y. Mec. Tiens! Je mets les graines là. C'est bon, je les ai mises. Okay. Ah ouais, pardon. Tu récupères quand même des graines en. C'est pour ça que c'est vraiment pas. Ah oui, c'est ça que j'ai genre tu récupères deux graines par truc, donc limite tu peux. Tu sais, ça peut être exponentiel en fait. Genre, viens, on fait que des plantes, gros. Viens, on. Oh, gros. Ah, c'est bon, nouveau projet. Nouveau projet, les gars. Il faudra agrandir sur les côtés, Snake. Genre faire des ailes, tu vois. Genre on va faire une aile avec que des arbres et l'autre aile on va faire genre que des fruits. Tu vois ce que je veux dire? Alright. Et une petite île à gauche si tu veux.
Pastèque ou ananas, c'est quoi le meilleur? Ananas. Pastèque, je pense. Hein. Attends, j'ai faim là, je te dis. Attends, je vais graviter. J'ai pas des ananas trop tard. T'as ananas et pastèque sur toi? J'ai ananas, tiens. Je vais voir la différence entre les deux. Ananas, ça donne quoi? Ok, les pastèques. Oh, je suis trop chaud, mon gars! Et attends, il y a une île à gauche là. Tu veux qu'on aille voir l'île à gauche ou on cherche la plus grosse île? Il y a pastèque. Oh là là! They call me John Saudu! Go pastèque. Pastèque, c'est rentable? Bah, en fait, la pastèque donne plus d'eau que de bouffe et l'ananas, c'est l'inverse. Donc, les deux se vaut. Parce que la pastèque, tu peux la bouffer en deux fois. Deux cheval, ouais. Non. Quoi? Les deux cheval. Ok, désolé. Pas de soucis. L'erreur, tu mets. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, mais on est à contre-vent, en fait, c'est pour ça. Ah merde, j'ai un radeau derrière. Bon, est-ce que tu veux qu'on avance dans le jeu ou pas? Ou est-ce qu'on temporise encore un petit peu? On tempo un peu. Vas-y, on tempo, mais ça marche, pas de soucis, vas-y. Bah du coup, attends, on va tourner un peu à droite parce que... Le moteur de droite, c'était... Ah, tu les as... Non, j'ai éteint, ouais, ça sert à rien de consommer des planches pour rien, tu vois. Autant qu'on navigue au gré du vent. Mmh. Vu qu'on est sous le vent. Sous le vent, oh. Si tu crois que ta mère est finie, jamais. Right. Je peux couper les arbres là ou pas encore? Normalement celui de gauche, mais celui de droit pas encore. Ouais. Ça rapporte combien? 4, 5, 7. 7 planches. Par contre j'ai pas de graines, il m'a pas donné de graines d'arbre celui-là. Je replante quoi du coup? Le boulot? Je replante un boulot? Non, on replante la même chose, hein. Jamais. Ces yeux me posent un répit. Deux, trois, quatre, cinq. Oh, la machine! On m'appelle la machine à eau. Ton grappin. Y'a quoi mon grappin? Il est quoi mon grappin? Il est quoi mon grappin? Des îles partout en fait, c'est ouf! Oh, ils ont faim! Bonsoir, Sneg, je suis plus à beau. Oh merde, Sneg, la batterie elle est à plat! Deux mois, bisous, pas de soucis. Genre, quelle batterie, gros? Oh, gros, la batterie de l'eau, c'est pour ça ils vont pas être trop. Non! Prends de l'eau et arrose le truc, je crois. Ok, je vais. Comment on fait une batterie? Batterie. Batterie, c'est là. Oh, on a pas checké! Attends, mais regarde, mangeons l'autre fils de pute là! Oh mon gars. Attends. Eh, tu sais quoi? Eh, la prochaine fois qu'il vient là? Attends. Mec, tu sais quoi m'appelle? They call me Robin Hood, you know why? Let's do it again. Ah putain. Le bilou n'a plus pété. Attends, juste attends qu'il se pose. Il va se poser. Pousse-toi, fils de pute. Pousse-toi. Tiens, j'ai fait une batterie. Pose-la. À gauche, il y a une île de ouf, regarde. Montre. Le point vert.
Pauvert, c'est que c'est une radio. Vas-y, vas-y, bah tourne à gauche le volant. Ah vas-y. Bon, c'est là où on a été. Tourne à gauche. Non, mais juste le volant. Ah, ok, vas-y. Ah, ouais, ouais. En fait, moi, je préfère tourner le volant maintenant que tourner le. Stop. Tout droit, nickel. Parfait. Pousse-toi, bâtard, là. Pousse-toi, putain. Il y a un radeau à gauche. Ouais. Tu... Non, il y a le requin, j'allais dire. Je peux aller si tu veux, mais il y a le requin. Sac ou poule, sac. Bah, pas de soucis, hein, ceux qui me trompent, pas de problème. Hein. Aucun problème. Pas vraiment, t'es genre, de toute façon. Oh. Il attaque. Non, j'ai pas de faim. Attends. Pas de problème, celui qui me trompe, hein. Aucun problème, t'inquiète, hein. Je t'en veux pas. De toute façon, j'ai une armée de vrais soldats qui sont là, contrairement à toi. Non, tu m'as. Mais non, mais dis. Ah, c'est bon, je l'ai baisé. Tu l'as. Oh, ouais, c'est pour ça que j'ai. Attends, laisse-moi faire en fait, c'est genre, je le baise. Viens ici. Plume, pion. Tiens. Genre, tu sais quoi, genre laisse-moi le canner parce que la flèche, mec, c'est la one shot la flèche. Ok. Ah, mais c'est la même île. Oh merde, on a fait demi-tour. Comment ça, c'est la même île, qu'est-ce que tu racontes? Bah, regarde. Où est-ce qu'elle est? Ah, non, c'est de l'autre île, vraiment, c'est de l'autre, je pense. Ça peut pas être la même. It's just impossible. Just two of us. Ok. Snaku des bois. Ha. Snaku se donne pété, ouais, tu veux dire. Wow, par contre, il y a beaucoup de tonneaux là-bas. Ouais. J'y vais. Merde, j'ai plus de lance. Nemo le dauphin, tu connais? Nemo? Hein? Je dis quoi? Ah non, écho le dauphin, écho. Ouais, flipper, ouais. Je dis Nemo? Lance, il faut quoi? Corde, boulon. You got bamboozled, look at you. Là, je suis juste un autre crochet. You got bamboozled, look at you. Ok. Pourquoi je suis blindé? Parce que flipper, ah. Putain, je dis Nemo. Merci beaucoup, Yokaos, merci beaucoup, Zaza, merci beaucoup, Nerol frérot pour les 8 mois, merci, Passing Game pour les 14 mois, merci, Malou pour les 41, merci Léon pour les 8, et merci Macadam pour les 26 mois de sub. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. En fait, j'ai pas lancé hein, tous les trucs, tous mes softs, hein. Non, vous savez, normalement, je suis streamer pro et tout est lancé, mais la chèvre, elle a quoi? Nathalie, ils sont pas morts, là? Ah, oh ouais, il a graillé Serge. Oh non. Ah, le graille, elle le graille. Ah, c'est bon. Elle lui a bouffé le cul. Ah, ouais, bien. Putain. On va aller chercher un RN3. Putain. Ah, RN3, le retour. Fuck. Alors, on me dit, on va dans le mauvais sens, je crois. Ouais, je pense. Fuck, here we go again. Eren is gonna be back. Je vais vous prendre le dog tag là. Le go tag.
Ah ok, c'est bon. Quoi ce bruit? Pourquoi ça fait ping? Quoi? Non, c'est pas juste pas dans le jeu, gros, c'est chez moi. Gros, rassure-moi, t'as éteint le truc là-haut. Ouais. Ouais, je suis Il, pourquoi il. Qu'est-ce qui lui arrive? Wouah, gros, je l'ai arrêté pile poil. Eh, hey, je suis une machine. On m'appelle El Naviguero. Porque se sabe como el navegar. Attends, mais pourquoi t'as acheté une batterie dans l'eau? Elle est vide. Tu viens de l'acheter à l'instant, on est d'accord? Ouais, ouais. Pas pisté. Oh, je suis passé où? Ah, ok. J'ai pas l'impression qu'on soit déjà venu ici en vérité. Ouais, je pense pas non plus. Je crois que c'est la première fois. Hein. Mec, tu sais, quand je vu la batterie par terre, j'étais en mode. Oh non, gros. Genre. En fait, on l'a déjà vu là, tu sais, c'est juste qu'on savait pas. Tuk-tuk. Bam bam biram bam bam biram bam 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 biram bam bam biram bam. Ok, tiens, je te pose ça. Ça. Ça, je garde. Vas-y, je vais explorer. Vas-y. Tu veux venir avec moi, en pire on va niquer les ours, comme ça on ramène la viande. Attends, je vais juste déposer ce que j'ai là, parce que je suis blindé. T'as pas faim, c'est bon? Non, t'inquiète, je suis bien moi. Genre, c'est des arbres qu'on peut couper, des arbres qu'on peut pas couper. Je sais pas comment on les reconnaît. How to recognize the tree you can chop and those you cannot chop? I don't know, man. Man, this game is so damn fucked up. I don't know how you can really. Okay. Comment tu t'appelles? Ah ouais, de ouf. Le coupe tête. À la même taille que ceux que tu fais pousser. Ah, c'est genre des petits? Lui, trop grand, c'est ça? Ok. Ok, donc en fait, c'est que des petits. C'est la même île. Non, c'est pas la même île. Je pense pas. Je pense que c'est la même île. Le problème, c'est que si je viens avec toi, en fait, ils vont attaquer les. C'est la même île. Gros. C'est la même île. Non, mais en fait, déjà, en gros, vous pouvez avoir les mêmes patterns d'îles. Hein. Attention. Hein. Ça, c'est pas parce que l'île se ressemble que c'est la même, que c'est pas la, que c'est la même. Ça peut être juste le même pattern. C'est pas de casse, c'est que c'est la même. C'est la même. Je crois que c'est la même. Parce que je vois pas de miel et rien, donc je pense que c'est la même. Ouais, c'est la même. Ok, vas-y, on lève l'ancre et on est genre, mec, mais qu'est-ce que... Comment on a fait pour revenir, en fait, je comprends pas. Et pas, gros. Je crois que c'est parce qu'on a regardé... On a regardé le radar et le point vert, et en fait, le point vert c'était exactement la même chose. Genius! Mec, on est des génies avec Mehdi. Trop grand, je suppose, c'est trop grand, c'est ça, on peut pas le couper. Ok. Vas-y, on se barre. Sur ton récupérateur, les points verts, c'est l'objectif que tu as déjà fait. Faut que t'ailles au bleu, toi. Ah, mais t'es sûr? Non, les points verts, je crois que c'est un truc secondaire. Ouais, les points verts, non, c'est sûr que c'est. Ouais, comme il me dit, c'est des objectifs secondaires, c'est des îles, tu sais, qui importent peu. Ouais, c'est ça. Qui importent peu l'histoire principale, mais c'est juste pour trouver du loot et des trucs, tu vois, des ressources. Ouais.
Y a pas de couleur dans ton journal. Non, en fait dans le journal. Non, je vois, en fait, ça c'est les îles de la quête principale. D'ailleurs, Mehdi m'a dit que celle-ci c'était la dernière île apparemment. Et qu'apparemment, en fait, après, le jeu n'a pas été dev. Et qui est du coup encore en cours de dev, en fait. Tu vois. Oh, on a eu qu'une graine là! Fils des pites! Oh, hey, j'ai mis 4 coups, moi. Hop là, pousse, maison. Du coup, il y a bleu, vert et rouge, non? Là? Mais en fait, le vert n'est pas lié à cette île-là, en fait. Non, ça n'a rien à voir. Non, je pense que c'est vraiment quelque chose... C'est une île en plus. Là, l'objectif principal, le suivant, il est à 1 km 100 par là-bas, tu vois. Attends, tu sais quoi, le vent? Vas-y, on va le tourner par là. Pour carburer, vas-y. Oh, fils de pute. Tu as tué? Ah ouais. Géo. Dralias, merci beaucoup. Comment tu frérot? Ça roule? Oh, j'ai pas ce bruit. Non, c'est bon. Hello Kibi, comment vas-tu frérot? Craft un PC et tu stream sur ton radeau. Mec, me donne pas d'idée. Je suis pas parce que j'ai mal de mer, je pourrais jamais faire ça. Non. Ouais. Bon, on va vers la prochaine île ou on temporise, Mehdi? On temporise encore un peu. Attends, je tourne parce que là j'ai l'impression que les radeaux galèrent un peu. Il y a pas mal de bouffe. Pause. Garde. Alright, stop that shit. And now, let's go straight. Let's go straight. Ok. Non, Sergei, les gars, je vous dis, il est pas là la semaine, Sergei. Il est là que le week-end. Mets une batterie pour arroser l'air des animaux. Bah, en fait, elle est déjà la batterie, je crois. Il faut juste vérifier de temps en temps si elle est pas vide, quoi. Ouais, elle est là, en fait, elle y est. Attendez. Elle est pleine. Mais ça va. En fait, limite, ouais. En fait, limite, on devrait l'arroser, mais non, en fait, on n'y pensera pas, en fait. C'est ça le truc. Il a sauté. Rocher. Gomélioré, le babou. Oh! Oh, c'est toi qui l'a cassé, ça? Ouais, c'est moi. J'ai sué. Pour en mettre un quatrième. Je pensais que c'était l'autre con là, j'étais en mode non, please! Ferraille planche. Briques.
Oh, il est mort. J'arrête le bateau ? Non, c'est bon, je pense. Il manque un peu de lumière là, on va faire une petite lanterne. Mec. Ouais. Et on est revenu là encore. Non, t'as mis tout gros. Bah si gros, qu'est-ce que t'as fait ? Mais. C'est pas la même île gros. Si c'est la même. C'est pas la même île. C'est la même. C'est la même île, attends, mais y'a un bug gros, pourquoi on s'éloigne pas ? T'es reparti dans le même sens là. Mais pourquoi on s'éloigne pas ? Je sais pas moi. Mais quel est le fuck, mais quel est le fuck, je comprends pas. Ouais, en fait, c'est Mehdi qui fait demi-tour. Mehdi, c'est toi en cul qui fait demi-tour, non ? Non, grave pas, gros. Depuis tout à l'heure, je suis avec mes fours en train de faire des trucs. C'est toi qui fais demi-tour, plutôt. Mais grave pas ! Eh, tu sais quoi ? Eh, tu sais quoi ? Attends. Non, mais change pas de cap. Je fais 180 degrés. Mais non, on va s'éloigner de l'objectif. On s'en bat les couilles, Genre, juste pour voir. Mec, je fais 180 degrés, gros, ok ? Parce que je veux voir si c'est pas le jeu qui veut, tu sais, qui veut pas qu'on s'éloigne ou quoi, tu vois. Ok, 180 degrés, Mehdi. Ok. 180. 180, boy. Ok, l'île est derrière nous. Ok. Oui. La planche. Par là. Eh, t'as vu les cultures ? Eh, bah les couilles, hein. Eh, j'ai pas le temps pour ces conneries, Mehdi, ok ? J'ai pas payé pour ça. I've not paid for that, ok ? Oh, tous les plastiques, là. Quoi ? On a plus de plastique ? Non, ils sont derrière le barbecue. Graine de mangue. Merde, c'est où ? Ah oui, c'est un arbre, le manguier. Le manguiste. Eh, y'a pas de graines de... T'as pas des graines sur toi, là, de... D'ananas ? J'en ai deux. Passe-moi-en une. Genre, tu peux venir la planter, gros ? Dans le slot qui manque ? C'est bon. Thanks, man. Virtuose, merci beaucoup. Eh hey, gros, si je vais aller en face de moi, gros, je désinstalle le jeu, je le dis tout de suite. Hein. Mastery. Hey Virtuose, comment vas-tu frérot ? Merci beaucoup. Merci Dryless Gaming, merci frérot. Ok, j'ai pas dit en visu, attends montre. Ah ok, on s'éloigne. Voilà, pour pas arrêter de rendre pour des cons. Et tu sais quoi, attends, pour pas trop s'éloigner de l'objectif en vérité. On va aller vers la gauche. On va aller plus vers la gauche. Vers le radeau là-bas. Tu sais quoi, on va vers le radeau là-bas là. Il y a un radeau en face normalement. Je crois. Ouais, là-bas là. Voilà. On va pas vers le radeau nous. On va pas vers le radeau nous. Ok. Pourquoi j'ai moins de graines d'un coup en fait là avec les pastèques ? Avant on avait des graines à mort, mais là j'ai moins de graines. That's weird. Mais dis. Ah mais attends, mais il t'a rangré le
Mec, il est en train de grind le... Comment il s'appelle? Ah ouais? Ouais, le... L'accordéoniste. L'accordéoniste. Qu'est-ce que je voulais faire, j'ai... Merde, attends, mais Rado, il est à gauche, mais what? Attends. Dodo, il fait ce qu'il veut, attends, par où on va là? Ah, on décale un peu sur la gauche. This way, please, sir. Ouais, un épouvantail, ouais, merci, ça, ouais. C'est le mot que je cherchais. C'est pareil, vous avez compris. Faites pas les... Enfin, faites pas vous mijaurer. Sinon, je viens de Nador. Ok, c'est bon, ça va. Je fais demi-tour là. Non, non, je fais pas demi-tour en fait. Je vais avoir de là-bas là. Come see daddy boy. Il va falloir un troisième étage. Ah, mais c'est sûr là. C'est... Attends, attends. C'est quoi la limitation de hauteur? C'est quoi? C'est quoi les étages de la limitation de hauteur? Une idée. Mais là déjà je voulais écarter sur les côtés. Vas-y, fais-le. Enfin déjà mettre plus d'arbres pour qu'on ait plus de planches, parce que là il reste que deux stacks dans le coffre. Fais-le. Je peux faire une canne à pêche pas, mec. Ouais, t'en veux une? Mais on t'entend pas sur le live. Ouais, s'il te plaît, je vais pêcher encore. Tiens. Et merde. Merci. Don't fuck with me. Two canapaces. Two more fishing rod. Two fois plus more fish. Two fois plus more fish. Alright, thank you man. Appreciate that man. Ah putain. Oh derrière toi, il est dans le truc à vous. Un bel hôtel marin. Ah ce qu'on va faire est plus fort. En fait je vais faire une barre HLM flottante. Oh, attends, ça a poussé fort là. Déjà vu une scène before. All right, boy. Salut Dreams, comment vas-tu? Salut Andéalou. Premier barrage et chef le temps. Putain, on manque de graines, hein. Va falloir aller chercher des graines médias. Okay. Oh, il attaque. Oh, fils de pute. Il attaque où? Il attaque. Il est où? Oh. Il est parti, bon, on le fait pas. Je mets dans le vent. T'as des graines? J'en ai mis une dedans là. Ce que je récupère, je mets dans le. Ouais, ok, ça marche. Parce que moi je les garde les graines en fait. Pipipi. Mais je débarque sur les plantes. Mec, il me casse les couilles. Mais vraiment, il me casse les couilles, l'oiseau. Est-ce que vous pensez que les plantes elles poussent d'un coup? Ou est-ce que tu sais, elles ont la même progression que dans Prey, elles poussent petit à petit, tu vois? Ou est-ce qu'elles font genre mode. Genre tac, tac, tu sais, ou d'un coup. Ou est-ce que, tu sais, comme IRL, elle pousse genre... Je sais pas.
Bah, je pense pas, parce que quand tu regardes l'herbe là qui pousse, ouais, tu vois qu'elle monte tout doucement, mais vraiment très lentement. Ah ouais, sérieux? Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Genre, fiche-toi pendant 5 minutes, tu les verras. Donc, je pense que les pastèques, etc., doivent faire la même chose. Petit à petit, ouais. C'est une racine, quoi, tu. Mais du pesticide, mais y a pas. Pas de soucis, bon courage, Mister Zouzou. Oh, oh, fils de pute. Oh, t'as mis... Oh, on a mis 5 coups en tout, là. J'ai mis 10, bravo pour la réparation, j'ai eu. Et là? Ah, ok. Alright, man. Voilà, hey, on est tellement pas en rate de bouffe, là. C'est juste un étage, je vous viendrai toujours. Oh, fils de pute. Oh, fils de pute. Lâche ça, bâtard. Oh, j'ai eu un truc. Ouais. Intermediate bird hunter. Ah, t'es un chasseur de bird intermédiaire. Ah, gros. Oh, ouais. Je pense que tu peux niquer par rapport, là. Oh, fils de pute. Encore. Lâche le couvertail. Toi, il y en a deux maintenant, il y en a deux. En fait, ils sont au-dessus de nous, Snake. Tu les vois tourner. Ouais, là, mais tu vois, il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul. Ah, il y en avait deux tout à l'heure, j'ai pas vu. Vas-y, bah viens, on met un peu le cap vers le... Viens, on met légèrement le cap vers là où on doit aller, en fait. On a plus de bois. Si, mais si. Coffre, si, il est si, plein, si, gros. Non, tout a sauté, gros. Mais le coffre, il est plein. Mais non, va voir, tu verras. Mais t'as tout niqué, sérieux? Bah, gros, on fait cuire des trucs. Mais si, là, il y en a 40, il y en a 40. Encore un peu 40, mais bon, c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup, ouais. Ils ont fait le tour du monde, ou c'est comment? Je sais pas, j'avoue, d'ailleurs, je sais pas trop, je comprends pas. Mec, c'est bizarre, en vérité. Merde. J'avoue, mec, je comprends pas. Vraiment, je... Désolé, ils sont pas prêts? Je sais pas si on peut le récolter maintenant. Je crois qu'ils sont pas encore prêts, non? Lui de gauche, là, il est pas prêt. Non, tu vois le... Il te demande quand tu peux récolter. Mais peux pas récolter. Ah, l'arbre. Ouais, l'arbre. Essaye, hein, de toute façon. Bah, je sais pas. Pour moi, ils paraissent petits, là, en fait. Ah, mets un coup, de toute façon. Si tu... ça dorme pas en premier. Si, c'est bon. Ah ouais, ok. Six, sept. En fait, 7 les deux, hein. Pareil. Ouais, je sais pas. Faut faire pousser davantage. Oui, mais Bédi, tu veux pas qu'on fasse plus d'arbres, gros? Tu veux pas, là, ici, là, on fait full arbre, full arbre. Full arbre. Full arbre. Oh gros, il est en train de ken. Oh. Vas-y gros, il est en train de ken. Oh, il est en train de ken, le bâtard, il m'a brain. Il est sérieux? Et la... Ah bah mais ça sert à ça l'épouvantail, en fait, je pense, hein. Ouais, mais gros, il faisait autre chose, hein. Ouais, tu peux lui mettre une petite flèche, là. Ouais, mais il est trop haut, tu vois pas comment c'est trop haut, en fait. C'est haut? Ouais, c'est vachement haut, en fait. Ah putain, mais qu'est-ce que je fais avec autant de pierres sur moi, merde. T'as essayé de virer les coordonnées? C'est-à-dire? T'as affaibli? Ça là? Moi, je sais pas. Je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop, en vérité. Ah, vu quoi? Après, c'est vraiment une planète, tu vois, et en fait, on est en train de tourner en rond. Ah ouais, d'accord. Donc la planète, elle fait 100 km², c'est ça? C'est-à-dire, comment ça? Bah, gros, on peut pas faire le tour aussi vite, en fait, de la planète. Bah, si, imagine la Terre. Pôle Nord, tu fais un tour en... Ah, il y en a deux, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Plus t'es proche du pôle Nord, plus tu... Vas-y, va à droite, va, tu veux le tour de la planète. Saute. Ah. Genre, tu me dis si tu veux que j'arrête le radeau.
Tu arrives? Oh putain, j'ai plus de place. J'arrive. C'est bon. Ouais. Et ça, je. Bon, c'est bon. Ah, écoutez-moi, mon fils de pute. Venez manger mes graines. Non, ce que je te disais, c'est Snake, regarde. Quand plus t'es proche du pôle Nord, plus tu peux faire le tour de la planète plus rapidement. Ouais. Tu visualises ou pas ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Donc là, ça se trouve que c'est la même chose. On est genre vraiment quasiment au pôle Nord et en fait, on tourne en rond. Il attaque. Par hasard, où il y a la lanterne, ça va pas faire. Alors, vas-y, Amy, tu peux pas le récolter, s'il te plaît, Et où? L'oiseau en haut, là. Et où? Non. Putain, l'autre allait venir. Là. Ah, ok. Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé à jouer à Raft? C'est quoi, ça fait genre 4ème live, c'est ça, dessus? Ouais. Quatrième live, je pense, dessus, ouais. Ouais. Jeu sympa, petit jeu cool. 3-4 heures, quoi. Ouais. Par live, même plus, je pense. Après, ça dépend, parce que du coup, il y a des soirs où on tient, on n'a pas trop joué et tout, ouais. Y a pas de place au pôle Nord. Y a pas de glace au pôle Nord. Des îles, des arbres. Non, mais y a pas... en fait, y a pas vraiment de pôle, en fait. Dites-vous que, genre, imaginez une terre plate, ok? Sans pôle. Que avec du tempéré, parce que là c'est actuellement ce qui se passe, tu vois. Je sais pas si plus tard, est-ce qu'ils comptent mettre un truc en mode, tu sais... C'est vraiment une planète, c'est quand t'as tout au nord, tu respawns tout au sud. Genre c'est vraiment une planète. Hein. C'est vraiment une planète ronde. Ouais, notre rôle. Sérieusement? Ah ouais. Pour ça, ce que je te disais, c'est qu'en fait on est en train de faire le tour sur le même longévitude là. Je sais pas si le truc qui va de gauche à droite. Et vu qu'on est quasiment proche d'un pôle, en fait, on fait le tour, mais très rapidement. On va faire le test pour voir. La longévité. L'altitude, c'est de haut en bas. Ouais. Et longévité, c'est de haut, pardon. De hein gauche. De gauche à droite. Ouais. Ils peuvent regarder sur Wiki, hein, mais notre rôle, je crois que. Ouais. Attends, graines de palmier. Ah, fils de pute. Oh putain. Putain, dommage, gros. Oh, lui, je l'avais tué là en l'air là. Cra. Tout bon, encore. Ils sont tous en train de mettre longévitude d'Inal, longévitude. Ah gros, bah t'as déjà une. C'est bon, je me suis chié. C'est une connerie, gros. Longévitude, j'ai dit. Si c'était hier, il t'aurait fait un cours de 4 heures sur la Terre. Oh les bâtards. Mais non, les gars, il y aurait juste un petit débat qui aurait duré 4 heures sur. Quand on m'a dit, il me prononce mal, il aurait dit non, mais Lizzy, tu peux pas comprendre en fait, c'est la longévitude en fait, c'est pas ça. À quoi? Allez, je le nique moi le requin, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi le requin, c'est pas lui. Du coup il est mort de rire, il comprend que dalle. Je sais pas ce qu'il veut dire, moi, de me dire. Je vois pas vraiment ce que je veux dire. Mais si, j'ai compris, tu parles en fait, tu parles des, de la latitude et de la longitude en fait, tu parles de ça. Mais gros, t'as dit longitudinal, je sais pas ce que t'as dit gros, genre ça a aucun sens ce que t'as dit en fait. Ça existe pas. Putain, les mecs, vous m'avez très bien compris. Par contre, j'ai dit latitude, et là je me suis pas trompé. Non. Où les. Ah, ils sont là. Le petit dino c'est pas un petit dino en fait, c'est un piaf et il donne des œufs. En fait, il pond des œufs. Ça là. Tu vois, il y en a un là aussi. Attends, je veux l'off. Eh, je peux le récupérer. Ah, si. En fait, les œufs servent à quoi? Mais genre, est-ce qu'on peut les cuire les œufs ou pas?
Comme ça sur le grill, non. Il faut. Je pense à la marmite. Ah, mais tu veux les manger? Oui, mais. Attends, mais pourquoi t'as pas une marmite déjà là, toi là? Mais c'est ce que je suis en train de faire, mais bon, y'a plus de bois, c'est marrant, toi. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Oh non! Il a mangé? Non, mais tu peux récolter, je crois. Ouais. Ah, mais c'est, je sais pourquoi, gros. Y'a plus de lingots de métal. Y'en a qu'un seul et on a plus de minerai. Faut du fer? Faut du fer? Gros, elle est dans ma lance. Non! C'est bon, bon j'ai le dernier coup, elle a sauté. Tiens. Bah ouais, il faut du fer en masse. Hein. Ouais, comme. Ah ouais, ah, je vais faire la marmite. Ah ouais, gros. On occupe pas le fer, nous. On faut pas le fer, nous. Wow, elle prend de la place, cette salope. Oh, 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 mais dis. Pardon, excusez-moi. Tac, 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 ça c'est bon. Ah, j'ai plus de graines, putain. T'as une graine de d'ananas ou un truc comme ça? Non, je l'ai posé tout à l'heure. J'ai dit, t'as une graine d'anaïs? Je suis fatigué. Vas-y, toi. Oh, Malek. Non, non, n'empêche, on a 19 pastèques et tout, c'est violent ce qu'on a. Eh, franchement, franchement, on commence à être bien en vérité. En termes de nourriture, en termes de fruitos, là. Machala, j'ai envie de dire. Snack active le moteur contre courant. Ouais, mais en fait, je n'ai pas pressé. Attends, j'attends juste que l'un des fils de pute là se pose. Voilà. Fils de pute, j'ai arrêté ma flèche. Non. Comment elle passe au-dessus? J'ai le seum. Non, c'est bon. C'est tellement simple qu'on allait passer dessus de lui, tu sais. Come on. Come on. Eh, tu fais la marmite, Mehdi, là? Ouais, mais y'a plus de bois. Il y a vraiment plus rien. Enfin, bon, non, ça va toi, ouais, j'en ai. Tiens. Et là, il va falloir allumer les moteurs pour qu'on récolte full bois. Bah là, on va surtout faire vers l'objectif, hein, donc Alright. Qui est plus à droite, d'ailleurs. Mais dis-y, mis-y, attaque. Plus. Ouais. En fait, le mec, genre, je crois que j'ai Kevlo et c'est toi qui l'a tué. Ah, c'est bon, nickel. Bon, je pense qu'on va, on va activer les moteurs, en vérité. J'active les moteurs, on y va, parce que là, en fait, on a un contre-courant. Et ça va être une galère, en fait. Quoi? La batterie du truc d'eau, elle tourne encore, là, ou pas? Ouais, on a un contre-courant et c'est un merdier. Ah, et ça, et ça part de là, gros. Ça part de là. Ça part de là. Ça part de là, frérot. On carbure. 2 km, on a 2 km à faire. J'aime bien votre radeau. Ouais, le radeau il est cool. Ouais. Il est vraiment mignon, il est vraiment sympa. Tu vois. En fait, c'est bon. Après, voilà, il est ce qu'il est. Genre, il y en a qui vont pas aimer en mode c'est un coup, fais plus de place et tout. Ta gueule. Ok. Non, mais c'est juste que. C'est compact, tu vois. Genre. Tu peux l'attaquer, gros. Oh, en fait, j'attaque trop tôt. En fait, je clique trop tôt en fait. Faut s'approcher et là, tu fais un clic, tu vois. Clac. Genre, clac. Clac. Ok. Et on carbure, hein. On carbure, gros. Hey gros, j'ai une petite
Vas-y. Ouais. T'es où? Tiens. Ciao. Tiens. Non, non, va, tiens. Oh, nice, merde. You're welcome, man. Eh, je peux pas récolter encore, là. Trop petit, là. Si, je peux récolter? Trop petit. Trop petit encore, ok. Vas-y, mais pourquoi... Attends, mais dis, toi qui tourne volant, mais d'accord. Non, c'est sûr que non, j'ai dévié... pas touché, gros. Pourquoi elle a dévié autant, je comprends pas. Le truc était là, il est là maintenant. La voile, gros. Enlève la voile. Oh putain. Il va mourir. C'est bon, nickel. Arrête-toi, gros. Je suis ouf, imagine, gros, si vous étiez tous les deux descendus, gros. Eh ben là, c'est sûr, c'est un game over, gros. Ouais, c'est bon, vas-y, go. Genre, je suis en la voile. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais essaye quand même. Ah, tu vois, maintenant c'est à gauche, putain. L'oiseau. C'est un fils de pute. Oh, je les ken. Ok, all good. Merci chat, c'est bon, je viens de ça le chat. Mais bon, genre normalement ça save toutes les 10 minutes hein, donc j'ai pas besoin mais de... en bas gros. En bas? Ouais. Donc quoi? Oh my god, we can sleep together tonight and we can fuck so damn... Wow, what the fuck is that? C'est la marmite gros. Ouais. Oh, c'est stylé, et comment ça marche? Pas ces planches. Oh, j'ai mis toutes mes planches, gros. Écoute-moi bien, il y a toutes mes planches dans le truc. Ah, il faut que tu colles le. Ah, c'est là où tu le colles. Ouais. Et du coup, tu. Et, mais comment tu mets les trucs à l'intérieur? Je pense que tu les prends à la main et tu les mets. Tu tèges? Attends. Et là, tu vois, il faut un seau avec du lait, mais vu que Eren est mort. Bah, pas celui-là alors, pas celui-là. Change. Mais en fait, je pense qu'Anaïs a déco avec toutes les recettes parce que je l'ai non. Donc, franchement, là, j'en ai plus souvenir de ce qu'il fallait. Non, Anaïs, please! Pas comme ça, Zinedine! Ouais, les a, ouais, putain. Je vais voir en haut, mais. Putain, en plus, on lui a dit hein, de poser les trucs. Hein. C'est les femmes. C'est chiant, c'est les femmes. Mais c'est bon, on est dans la bonne direction, gros ou pas? Ouais, c'est bon. Remonte. Ah, gros, c'est bon. En gros, qu'est-ce que tu fous avec ta M4, gros? Désolé, gros, je suis parti chasser le requin. Regarde l'île en face. Qu'est-ce qu'elles ont, les femmes? Regarde l'île en face. Chiantes. C'est quoi, il est en face? Oh non, oh, no, please. Not again. Not like this again. C'est la même île encore? Ah ouais, attends, il faut tourner, attends, je tourne. Parce qu'en fait, c'est derrière, en fait. Not like this. C'est la pire île, je te jure. Hey, chat, j'en ai marre de cette île, toujours j'en ai marre. Je vais commencer à faire des cauchemars à la nuit de cette île. Enfin, je ramasse du bois.
Mais vous êtes sûr c'est la même? Je pense pas, hein. C'est le mec qui comprend pas. C'est le mec qui... Tu sais, il est borné, tu sais. Il veut pas admettre son erreur, tu sais. Mais je pense pas que c'est la même. DiCaprio, sauve-moi! Non, c'est bon, je l'ai vu. Chat, est-ce que vous êtes pas diverti là? Chat, est-ce que vous êtes pas diverti quand vous voyez ça? Chat, n'êtes-vous pas diverti là? Juste dites-moi, n'êtes-vous pas diverti en ayant vu cette action incroyable, digne d'un film de Frank Sparrow? Ok, j'ai plus de planche. Merde. Hello, Covid, comment vas-tu? Genre, il s'est pas grippé! Vas-y, c'est du mytho. Mais pourquoi tu mets des chaussures au pied du truc, toi, là? T'as cru que t'étais RT en sur GTRP ou quoi? Y'a full ananas là-haut? Attends, y'a une autre île! Bah, c'est elle, ça vient de bip. Regarde le radar. C'est tourné là. Bah oui, parce qu'il y a une autre île à gauche là. Vert? Ouais. En face. I'm so damn dead. Mais non. Ah, c'est bon. Elle manque, c'est vraiment de la merde. Ouais, elle manque, c'est bidon, ouais. C'est bon, c'est la bonne île là en face? Il est verte là. Ouais, ça va, c'est bon. Mais c'est pas celle-là, hein, c'est pas celle qui est en face, hein. C'est nous, je crois. Non, c'en est une autre là. Tiens. Oh là là. Mais c'est trop mignon ce qu'il a fait, putain. C'est trop mignon. Mais j'aime trop ce mec. Allez, c'était pas mon meilleur pote, je pense que je coucherai avec. C'est tellement serein et tout. Vous en pensez quoi, tiens? Tiens, vous en pensez quoi? Est-ce que vous voulez pas de mon avis? Il y a Chou qui vient de me whisk dans les oreilles en me gueulant. Il vient de dire quoi, lui? Chou avait tellement détesté, putain. Eh, on s'arrête sur l'île ou pas? Oui, si, faut du bois. On est pas bien là, on est pas bien du tout. Oh putain. Y'a pas deux planches sur toi, Snake? Si, tiens. Oh, fils de pute, attends. C'est bon. Tiens, gros. Ah merde, non, c'est on est trop loin encore, je suis en ouf moi. J'ai baissé le truc, on est trop loin en fait. Oui. Quoi? Bien voir. Ouais. D'après toi, ça fait combien de jours in-game on est sur le radeau? Je sais pas, genre je dirais une trentaine. Tu veux voir? Ouais. Regarde. Tu l'as où?
Là, là, sur le hamac. Oh, je suis pas trop chaud. 43 jours. Oh. Ah ouais, c'est beaucoup quand même, monsieur. Ush. Ah, les graines. Ah, en fait, les graines, tu les as uniquement quand tu vas sur les îles. C'est pour te forcer à aller sur les îles. Il est actuellement. Oh, quand même. Bonsoir, Chou, comment vas-tu? Ça roule? Quoi de neuf, Chou? Chou, ça fait longtemps. Ça fait au moins genre 3 heures, je crois. 2-3 heures. Au Snake, il va être 11 heures in-game. 11 heures? Ah, t'as fait une horloge, t'as fait une horloge? Ouais, j'ai fait une horloge. GG. Ouais, j'ai tout ce qu'on n'a pas fait. C'est bon. Je pense qu'il n'y a plus rien. Hein. Aiguille 300. Kandorin? Thanks, my boy. Really appreciate that, boy. Thank you, thank you. What the fuck was that, man? Oh, man, what the fuck, man? Are you okay? What is that sound? I don't know, man. Are you okay, man? Man, you... You're so weird. You're so weird. What you're the fuck? Man, you're so weird. Bam, bam. Ça c'est en haut. Ça c'est en haut. Toss a coin to your witcher. Oh, buddy. Your plenty, your valley, your plenty, your valley. Merci, merci, monsieur Vindict. Vindict. Merci, frérot. Mets un porte-trophée et mets une tête dessus. Ouais, mais Midi va le faire, Midi va le faire. Ah bah, regarde, c'est déjà fait. Hein. À droite du hamac. Ouais, c'est bon, toi, fils de pute, tu sers à rien. Non, super, Serge. C'est bon, on a assez, gros, non, non. Non, non, on a pas assez, garde la laine, wesh. Ok, ok, ok. Allez, rentre, Serge, rentre, rentre, rentre. T'as de la chance, gros. Regarde, à droite du hamac. Ah, oh, mais dis, fais trop, vas-y, mets trop un peu partout. C'est pas de mort. Faut récolter le corps. Les corps de quoi? Merde, on est dans la bonne direction ou pas, là? Eh, hey, il est à gauche, là. C'est bon, j'ai mis un texte, en plus. Les corps de quoi? Hey, Kandorian, my man! Thanks a lot, dude! Thanks for the support. Thank my man. Take it, take it. Welcome, welcome. Take it, welcome, welcome. Take it, take it, take it, take it, take it. Attends, mais déjà laisse style, là, non? Ça me dit quelque non, chose. C'est la même, mais. Non, celle-ci, je la trouve un peu plus vaste. Ah, t'as un mec qui check la vastitude des îles et tout, toi. Bah, regarde, gros. Bon, regarde à gauche si tu veux, t'as un bonnet de bain disponible. Là, là. Où ça? Là, là. Là, là. Pas son globe. Oh, oh là-dedans. Quel plaisir d'être abonné à Snaku. Merci Midiolo, merci frérot, très apprécié. Guys, vous savez pas ce que vous ratez, hein, de pas être abonné à la chaîne. C'est pour vous, hein. Vous savez, moi, je suis déjà abonné à ma chaîne, hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés. Je vois comme des non-subs dans le chat, hein. Je vois encore des non-subs. Hein? Ah. Enfin, je vais parce que sinon, après, on va me fouetter. C'est bon!
La bouteille d'oxygène, elle est permanente ou c'est inconsommable? Non, c'est inconsommable. C'est comme les palmes, c'est inconsommable. Ah, c'est une nouvelle île, gros. Je trouve que c'est vraiment une nouvelle île en plus. Ah ouais, nouvelle île. Wow, elle est belle. Elle est vraiment belle, l'île. Je suis un pilote, les gars, je suis un pilote. On m'appelle Jack. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Bonsoir, Red Bass Osao, quoi, frère. Go introduire la conversation. Bon, en fait, on peut pas couper tous les arbres, hein, les gars. Il a fait grave. Gros, j'ai eu grave peur. Pourquoi? J'ai eu grave peur. Parce qu'il y avait un ours derrière moi, gros. J'étais tellement pas prêt. Un ours? Oh, oui, il est là, si tu t'es. Il est là, ouais. Ah, j'étais pas prêt. Hein. Ah, j'étais pas prêt, les gars. J'ai flippé de ouf. J'en ai eu. Je vais essayer de le pêcher. Bon courage. Merci, Kelbaï, qui a offert ça du coup à Edarion. Edarion. Welcome back 44, mois, frérot. My boy. Ah, mais je suis blindé, putain. Attends. Attends. Tiens, petit ours. Viens. Tu peux essayer le grappin sur l'ours, ça marche pas. Tu peux essayer le lance-filet sur l'ours, ça marchera pas, les gars. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Oh, il a fait une petite horloge et tout, mais c'est mignon. C'est mignon. T'as de la laine sur toi? Négale. Mais je peux le tuer. Il t'en faut combien? 4, non? Si t'en faut une, je peux te la donner. J'arrive. Ouais, tiens, dégage. Arrache ta gueule. Prends un petit bain, ça te fait des. Ouais. Oh. Et bah, je te l'offre à nouveau la part d'honneur. Ah, zut. Who are you? Decline your identity. Who the hell are you? My name is Jeff. C'est quoi cette voix? On va faire un tour de l'île. Putain, merde, putain, je sais plus, je fais clic droit là. Merci! Origami, il veut quoi, Origami? Mais. Origami, il a de me hacker, putain! Il me hack, ce con! Oh, t'as le seum! Oh, je répare! Oh, il a le seum, je répare! Merci! Merci, les potos! Merci! Kandorian! C'est comme ça, c'est Kandorian! Kandorian, merci beaucoup pour les 200, les 2200 bits, mon frérot. Merci beaucoup. Guys, un mur de 1 bit dans le chat, pour Kandorian, 2200 balles, c'est pas rien, ok? C'est une somme astronomique. Ah, ça, je peux couper celui-là du coup ou pas? Je sais pas ce que je peux couper, ce que je peux pas couper. Ah, ok, attends, un moment. Ah, les petits, je peux les couper, en fait, c'est tous des petits.
Là, c'est trop grand, c'est trop grand. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Merci, Kandorin. Merci, frérot. Merci pour les 2200 bits, enfin plus, 2500 bits. 2500, bah ouais, parce qu'il y a donné 300 tout à l'heure. Bah ouais, les gars, non, mais au bout d'un moment. Les gars, pour d'exclamation bits, on y va, on lâche des bits. Faites péter des bits. J'adore les bits. Ma grosse bite, chaque fois. Il me plaît à jouer. Merci beaucoup. Thanks, man. Merci beaucoup, Kandorin. Merci pour ta générosité, frérot. Merci pour ton sub aussi. Il vient d'arriver, il s'abonne. Absolument, je suis sur l'île. Ouais. Mais dis, s'il te plaît, fais-moi une hache, s'il te plaît, gros. Hache en métal, s'il te plaît. Mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus de lingots, je crois. Il faut un lingot de fer, un seul. T'as un lingot de fer, t'as un lingot de fer. Je vais regarder ça là-bas, mais je suis pas sûr. Si t'as un lingot de fer, gros, tu me sauves là. Dude, save my life, please. Like I saved yours. Ouais, t'as besoin de lingot pour faire une hache. Si, en fer, si. Bah, si, un boulon. Ah, mais on a un boulon, je crois, on a un boulon. Ouais, ouais. Bah, fais-moi la hache. Ouais. S'il te plaît. Vous avez vu ce que j'ai ramassé? Lumière! T'inquiète. Les gars, on part pas si on ratisse pas cette île, t'inquiète pas. Ok. Reviens près du bateau, j'arrive. Lumière. Guys, ah oui, en parlant de miel, je vais faire un partenariat avec Goadi bientôt. Vous savez, Goadi, apiculteur depuis les années 1852. Avant Jésus-Christ, avant que l'homme ne soit créé, en fait, il chopait déjà du miel de dinosaure. En même temps, le mec, c'est un fossile. je rigole, Goadi, je t'aime. Non, plus, attends, je suis là. Et en fait, plus sérieusement, en fait, je vais faire un partage avec Goadi. Et pour le coup, en fait, si jamais vous voulez du miel... t'étais où, hein? Si jamais, le gars, vous voulez du miel, vous aurez genre moins 5%, je crois, sur votre commande. Enfin, du moins sur les packs, je crois, ou sur la commande, je sais plus. Il faut qu'on en discute demain, après-demain, à tête reposée. Mais typiquement... Mais t'es où, Mehdi, là? Sur le bateau. Mais t'es pas sur le bateau, je te vois pas, gros. Je suis là, à côté de la Martine, j'allais dire, de la marmite. Mais t'es con, quoi, je te vois pas, mais... Non, tu te fous de ma gueule, en fait. Là, wesh. Mais je te vois pas... Ah, là, ouais. Ah. Je suis aveugle, wesh. Merci. Pardon. Merci. Cette pute. Je préfère much more like it. Et I appreciate it. Genre dis-moi si je me trompe. C'est I really après she dis. Tiens. C'est ça. Quel fils de pute, Rome, putain, avec son anglais de mort. Oh, ça c'est fait. Bah c'est vrai. Bah comme tout le monde, comme Sarri, comme toi, comme moi, enfin je veux dire... Genre quelque part, sommes-nous pas des fils de pute? Bref, et donc du coup pour revenir à ce que je disais, on va mettre en place avec Goadi un code promo sur la chaîne, etc. Et comme ça vous aurez genre moins 5% sur votre commande. Parce que, en fait je lui ai dit, mec j'adore ton miel, tu vois. Et ton miel en fait est un peu méconnu. Alors tu sais, les habitués le connaissent, genre il y a plein qui commandent, il y a plein qui vont chez Goadi commander en mode « Je viens de la part de Snake et tout », alors quand vous dites ça, généralement il vous met un petit truc, tu vois, un petit pot en plus ou un petit truc, tu vois. Mais bon, maintenant que je le dis, il le frappe, parce que tout le monde va aller le faire. Tout le monde va les commander et tout le monde va dire, oh, je viens de la part de Snake, forcément. Mais n'hésitez pas, ouais, à passer sur son site. Prenez l'exclamation miel dans le chat pour ceux que ça intéresse. Et ouais, ils vendent vraiment du super miel de qualité incroyable. Et d'ailleurs que j'ai toujours sur mon bureau parce que genre c'est un miel que j'adore, tu vois. Alors je sais que vous allez dire, ouais, mais Snaku. C'est un mytho, il n'est pas ouvert le paquet. Je le dame tous les jours, tu vois. Tous les jours, je le dame. C'est archi bon. Vraiment archi bon. Et vous avez plein de types de miel. Vous avez les comment on appelle ça, le miel d'acacia, le miel de fleur d'été, le miel de printemps. Là, récemment, il a mis le miel de tilleul. Et il a mis un cinquième, c'est le miel de doré. Et franchement, c'est grave lourd. Oh, my leg. Non, vous avez un cinquième. Je sais plus, c'est quoi le dernier qu'il a mis. Il a mis un cinquième, mais vraiment, genre, si vous aimez le miel, guys, vous serez vraiment pas déçus.
Parce que les merdes là, qu'on achète en supermarché, là, les lunes de miel et tout, c'est éclaté. Miel de forêt ? Ah oui, miel de forêt, c'est ça, ouais, miel de forêt, bien vu, ouais. Miel de forêt, absolument. Genre, ouais, je dis miel de tilleul, ouais, ouais, en fait les deux nouveaux, c'est miel de tilleul et miel de forêt. Et honnêtement, si vous connaissez pas, vous devrez goûter. C'est quel ton préféré ? Moi, honnêtement, j'aime beaucoup le miel d'été et le miel d'acacia. Et en fait, moi, il y a les trois que j'aime. Été, acacia, printemps. Surtout le printemps. Le printemps, c'est celui qui est un peu blanc. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est blanc que j'aime ? Je pense pas. Mais j'aime beaucoup, en fait, le côté un peu onctueux. Tu sais, genre, il est un peu crémeux, le miel de printemps, tu vois. Et j'aime beaucoup, en fait. Franchement, en plus, je crois qu'il y a des packs sur son site, je dis pas de conneries. Il vend des packs sur son site. On est d'accord, Mousse. On est d'accord. Genre, attends. Miel d'abeille. Ah ouais, lourd. Attendez. Genre, en fait, sur son site, maintenant, voilà, c'est ça. Vous avez le pack. En fait, genre, moi, je prenais toujours ce pack-là, là, le pack à 26 balles. Merde. Je mets toujours le pack à 26 balles, tu vois, où, genre, vous avez les... Ah non, attends. Oui, c'est ça. Printemps. Merde. Vous avez le printemps, l'acacia et le miel d'été. Et le fleur d'été, tu vois. Et maintenant, en fait, il y en a les deux nouveaux. C'est le... Putain, attends, on va regarder là parce qu'il commence à me casser les couilles. Et maintenant, vous avez deux nouveaux. Vous avez le tilleul et le miel de forêt. Alors, en fait, typiquement, le miel de forêt, c'est plus un miel en fait, que vous prenez avec du lait chaud, tu vois. C'est pas un miel que vous pouvez manger comme ça. Enfin, tu peux, mais typiquement, moi, j'aime bien le mettre avec du lait chaud. Tu sais, quand t'es un peu la gorge enrouée ou quoi, ou quand t'es un peu malade, tu prends du lait chaud, tu mets genre une cuillère ou deux de miel de forêt, ah, ouais. Et tu touilles. C'est violent de ouf, c'est vraiment violent. Donc voilà, c'est un petit soutien pour le frérot Goadi, c'est vachement cool. Et puis si vous connaissez pas, genre c'est peut-être l'occasion de tester quoi. Moi ce que je sais que je vous conseille, c'est un pack que je vous conseille, c'est celui-là, le pack découverte. Pour moi c'est le meilleur. Pour moi c'est le meilleur le pack découverte. Après c'est vous qui voyez ce que vous aimez. Après c'est le miel, c'est un peu comme c'est des goûts des couleurs. Hein. Il y en a qui aiment ci, il y en a qui aiment ça, tu vois. Ouais, son propre miel, Steven. Ouais. Il est apiculteur. D'ailleurs, vous le voyez souvent sur le chat. Hein. Goadier, il a une chaîne YouTube pour ceux qui s'intéressent. Vous êtes sur son site, vous avez un truc, un onglet YouTube où en fait, vous voyez. En fait, il vous montre comment il récolte le miel, comment t'appelles ça ? Ah, c'est quoi le nom ? SM, comment il est SM, etc. Enfin, genre, tout est assez bien expliqué. Et franchement, je trouve ça assez cool. Et même, tu sais, en fait, c'est pas. Tu sais, c'est un poteau. Et même, c'est un apiculteur français, tu vois. Donc du coup, en achetant du miel, tu soutiens directement un poteau et en plus un apiculteur français. Quoi de mieux ? Quoi de mieux, j'ai envie de dire. Il fait du chouchen, je sais pas ce que c'est. Ah. What ? Fait visiter le navire Captain Legs. Sergei, ça va quoi ? Il est là, Sergei, j'ai pas vu. Il fait du miel de frelon asiatique aussi. Faut aimer épicé. Attends, je peux manger le miel ? Ah ouais, ça se mange le miel ! C'est ouf ! Enfin, dans le jeu, non ? Dans le jeu. Hein. C'est le mec qui vend du miel, mais il a jamais goûté le miel, t'as vu ? Mais en vérité, ceux qui veulent commander, vous pouvez commander maintenant, mais au pire, j'aurai 5% dans les jours à venir. Jour/semaine, j'aurai 5% de réduction, je pense, sur certains packs, donc vous pourrez... Je pense à ce moment-là, vous décidez, pour ceux qui sont pas trop sûrs de s'ils commandent ou pas, tu vois. Genre, je sais qu'il y en a un peu qui hésitent, mais... Au pire, prenez un pot. Mais je sais pas si tu peux commander... Non, je crois que tu peux pas que tu puisses commander un pot. Un pot, je crois. Non, je crois pas. Parce qu'il me disait, genre, il perdait de l'argent quand il vendait que un pot. C'est, en fait, les frais de port lui revenaient plus cher que le pot en lui-même, tu vois. Je suis allé par là-bas ou pas ? C'est de l'alcool de miel. Ah, je savais pas, tu vois, je connaissais pas. Non, je connais pas. Non, je pense pas qu'il fasse ça, tu vois. Après, s'il y a une forte demande dans un truc particulier, tu vois, il peut éventuellement le faire, tu vois, mais c'est pas son cœur de métier, tu vois. Et après, je pense que dans l'absolu, c'est pas non plus de changer toutes ses habitudes, tu vois, genre, qu'il fasse totalement autre chose, tu sais. Parce que bientôt, genre, je sais qu'il y en a qui va lui demander, gros, tu peux faire un grec avec du miel ? Il va dire, oh, mes copains.
il va bégayer, le Guadi. Bon, allez, on se pète, y'a plus rien ici. Du frère à Zadion qui a mis ça, c'est trop cher. Non, mais vraiment, moi je sais que souvent quand j'en commande, je commande genre typiquement 3-4 packs, tu vois. Si je fais une commande tous les. Commande Guadi, gros, j'ai fait de la pub pour ton miel, fils de pute. J'ai genre un pack. Oh, t'es mort. You got bamboozled. Look at you. Quoi, Christian? Quoi, Christian? Nuggets, il est cané. Non, t'es un mytho. Il est plus là. Il y a toujours eu de la bouffe, wesh. Pourquoi il. La batterie? Bah non, il vient de fonctionner le truc. Mais il est mort comment, wesh? Mais il n'y a pas des papes là ou pas, un truc comme ça? Oh non. Il n'y a pas de nuclé. Ah, mais non, mais j'entends. Non, mais j'entends. Mais what? Mais je l'entends. Mais non, c'est de la main que t'entends, non? Non. T'entends pas, moi. Mais si, j'entends du. Ah, il est sous l'eau. Il est sous l'eau, ce connard. Il est où? Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fout sous l'eau? Mais pourquoi tu l'as mis sous l'eau? Mais je sais pas pourquoi il est sous l'eau. Mais si, je l'entendais en plus. À quel moment il est passé sous l'eau? J'entendais. Il était en train de se noyer. Heureusement que j'ai capté qu'il était plus là. Vas-y, Greg, regarde. Oh, il a la dalle. Ah, oh, Thomas, son cou, il est devenu net. Attends, il va encore Greg. Non? Ah, c'est bon. C'est un connard, il a dit. Il est fait faible, en fait. Vas-y, ton micro il est faible. Tu peux l'augmenter un peu ou pas? Tu peux rapprocher un peu ta bouche? Non, ouais, vas-y, nickel, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. T'as récolté. Salut Snap, content de rester. Ouais. Hein? Avec. Et de continuer cette aventure. T'as récupéré les arbres et tout, c'est bon? Ouais, j'ai tout coupé là, il reste plus rien. C'est bon, j'ai tout récolté. Yeah. Il me faut des planches en fait là pour faire les caractères. Tiens. Pour les arbres. Chauve-l'eau 1500, veux-tu bien? Mais non, attends. Attends, je y en a encore? 12, non, mais c'est bon, je l'ai pris, il n'y en a plus. Il faut des clous. Toss a coin to your witcher. Charnière et des cordes. Bon, lui, Dactao, merci beaucoup. Eh, mais. What? Moi, je veux ton miel all over my face. Oh, man. Oh, man. Really? For real, man? Do you want my. Honey? C'est quoi qui tape là? C'est quoi qui tape? De quoi gros? De quoi? Y'a un truc qui pète là. Où ça? Ah, c'est toi, putain. Alright, man. It was to see if you suit the game or not. Attends, plante pas. Ok. Je vais les agencer. Tiens, tu fais encore du bois? Il faut encore du bois ou pas? Tiens. Ouais, je vais juste faire un espace. Tiens, là. Prends du bois déjà. Genre ça, j'enlève. Dans ce coin to your witcher. Merci beaucoup. Ah ouais, maintenant. Des bouteilles en plastique et tout. L'évolution quoi? Ça. Ah ouais, gros. T'es pas comment tu pilles fort. T'es mal, on pille fort, gros, avec Mehdi. Ah ouais, on est bien, moi. C'est pas ton vieux gobelet éclaté, là. Et t'es mal, tac, on a ça, t'es mal, ça arrive. Les petites chaussures, petit tapis, petit hamac. On est depuis 45 jours. Ça, c'est ta teutave. Regarde, gros. Tac, hop, j'en prie ma bouteille. Tu vois, double moteur, double rotor. Théma, full plantation, pastèque et tout, regarde Théma. Pastèque. Regarde, full poisson. Théma. Il est mort si tu veux récolter en dessous. Ouais, j'arrive, j'y vais. Full poisson. Surtout qu'il faut du fer. Hein. On faut full fer là. Mais t'as récolté le. Mais le poisson, espèce de con. Ah, tu veux dire genre partir au charbon? Yes. Partir au charbon, je veux partir au charbon. Attends, ferraille ou charbon, gros? Fer. D'où charbon? Quoi charbon? Il n'y a pas de charbon. Ferraille ou métal? Fer. Métal. Ok.
présente-lui. Ah non, mais il connaît Serge Lama, il le connaît. C'est son frérot. Ils ont la même tête en plus, c'est comme ça. À quand les M1 modés? Oh gros, t'es mort. Oh. Et M1 modé? Non mais gros, mais ça. Eh, hey, mais dis. Ouais, dis-moi. Tu veux pas qu'un soir on aille sur UFT un jour? Genre à l'occasion, quand tu voudras. Et comme ça, en fait, je te passe la moitié de mon stuff. Oh, Sari, t'étais pas là hier! Attends, Sari, t'étais là. Ah, ouais, il était pas là hier. Attends, Sari, t'étais là hier ou pas? Oh, chat, il a raté. Chat, il a raté, il a pas vu hier, il était pas là, Sergei. Oh non, j'ai bu de l'eau de mer, putain. Sari, t'étais là hier ou pas? C'est nous, tu m'as donné sommeil. Oh non, modération! Faites un effort! S'il vous plaît, n'allez pas dormir. Il a raté les T-Case. Ah ouais, t'es fou. Il a raté les T-Case fort. C'est quoi ça? Ah non, ça. Mais il est où le fer en fait là sur cette île de mort? Du tout de graines. De graines? De graines. Ouais, je sais. J'en ai plus du tout non plus, moi, souvent. Mais il est où le métal en fait dans, sur ce. J'ai pas besoin qu'il y ait du métal, hein. T'es le shooter, comment tu, frérot? Merci encore une fois, Kandoren, frérot, pour les 1500 bits. Merci beaucoup, poto. Mec, t'as 4000 bits. 4000 bits en une soirée. Il est fou. Cet homme est inarrêtable. Cet homme est clairement inarrêtable. Merci beaucoup. Merci, frérot. Non, mais au pire, si vous allez dormir, si vous voulez dormir, allez dormir. Hein, poto, mais je vais juste couper le live. Thank you. That's a prime to your Witcher. ils l'ont vraiment sorti. That's a prime to your Witcher. to your Twitcher. Ah, sérieux? Ils l'ont sorti? Non, mais vas-y, mais y a pas de métal. Ils se foutent de ma gueule en fait sur cette île. C'est une île full de chien en fait, y a pas de métal. Tant que je me lève à 5h, je peux encore. Non, mais va dormir, c'est pas grave. Faudra juste que. Chat, est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, qui va être modo sur mon live? Qui peut rester au-delà de minuit? C'est pas grave, parce que moi j'ai fait le mauvais calcul à prendre des modos qui se barrent à minuit, quoi. Super la modération sur mon live, quoi. Ok, qui veut être modo? Non mais sérieusement, qui veut être modo? Histoire que je mette modo nocturne, tu vois. Par contre, s'il est pas là après minuit, il est ban, hein, je vous le dis. En fait, pas forcément un chômeur, tu vois. Pas forcément un chômeur. Mais juste quelqu'un qui peut être là, genre, au-delà. Je sais qu'il y a Anyway qui est là le soir, tu vois, et tout. Mais typiquement, je veux, tu sais, genre, juste un backup. Un backup la nuit, tu vois. Parce que, tu vois, genre, à partir de typiquement, de minuit, une heure, en fait. Enfin, de une heure, plus ou moins une heure, en fait, il n'y a plus personne, en fait, tu vois.
Vas-y, mais cette île, c'est une blague en fait. Elle pue la merde, l'île en fait. Y'a pas de. Elle pue la merde, l'île. Ça jusqu'à. Jusqu'au bout. Fireman, j'ai vu ton message, hein. T'inquiète, frérot. J'ai vu ton message. Je sais pas. I don't know, man. I don't know, man. Là, je vais mourir. Ouais, parce qu'en fait, je vais pas assez vite. Et forcément, il va me tuer. Oh non, je vais mourir. Putain. J'ai touché à partir de minuit. Ah ouais? Mehdi? Mehdi? Ouais. Tu veux être. Moi je veux bien et tu me payes en rouble. C'est free. Tu veux être Boudo sur ma chaîne ou pas, frérot? Attends. Obanki? Non, mais est-ce que tu veux être modo? Parce qu'en gros, je cherche un modo qui peut être là, genre, après minuit, tu vois. Non, je peux pas, moi. Ok. Je pourrais pas assurer ma présence. Bah, viens, on y va. Ouais, il est quelle heure? Minuit 16? Ah ouais. Ouais. Viens, on y va. Bon, on finit le game ou quoi, là? On plie le game? Vas-y, on plie le game. Plie le game, vas-y. Hein? Attends, qu'est-ce que c'est? Ah, elle est en train de me tuer. T'as vu ce que j'ai mis un peu? Non, ah. T'as mis quoi? Ah, regarde là. Tu vois, vu que c'est. Mais s'entends pas, mais dis parle plus fort, gros! Comme ça. Hein? Ça, on t'entend pas, gros. Je t'ai mis ta puce suite. Je peux pas t'augmenter plus en fait, sinon ça va saturer après. Ouais, on va voir. Attends. On plie le game ce soir. Attends, deux secondes, laisse-moi juste mettre le. Tu peux animer les deux moteurs, s'il te plaît? Oh. Bon, c'est bien. Oh putain, je galère à monter sa mère. Bon. Ah c'est bon. T'as le cap? Ouais. Tu vois, on plie le game ce soir. Bah ouais, pourquoi? Donc voilà. Petit rappel quand même, qu'ils n'ont jamais oublié. Tous nos compagnons de mer. Oh le bâtard! Hey, Sergei le Proujunt! Sergei le Proujunt! Oh le bâtard! Hey, Sergei, à vous t'as réglé ton lit. À vous t'as rigolé, gros. Il n'y en a que deux. Ouais. Mais je peux en mettre d'autres, mais bon, ça coûte cher en bon, en fait, c'est moi. Reste quoi, mais. Allez, mettre ça. Et ça. C'est mal, c'est tout ça. Nickel. Putain, elle a niqué un truc. Oh, j'ai plus de planches. T'as des planches, gros? J'ai que ça. Mets là-dedans. Un peu là-dedans, ouais. Nickel, c'est bien. À droite, c'est bon, t'as mis? Ouais. Quand tu passes sous l'eau, c'est violent quand tu passes sous l'eau. Avec la tempête, toi aussi. Ah ouais. Oh, il y a une île à droite. Le mec, il me prend pas, tu sais. Le mec, il fait des failles, il vient, tu sais. On est des îles.
Okay. We're almost there. Weldy. Pour ça, je suis venu en backup pour votre stream. Je me rendrai disponible pour vos lives. Nocturne Asdorf. Mais Snaker, pourquoi tu me vois? Pourquoi tu me vois, frère? Oh, je vais l'enculer, je vais l'enculer, putain. En mode québécois, j'y ai pensé, ouais. Hmm? Alors, ensuite, tac. Tac. Attends, mais là, je peux récupérer le... Non, pas encore. Ouah, wow, c'est ce que t'as fait, j'ai même pas vu. Comment t'as fait en haut, là. Avec les arbres. Ouais. Ouais, c'est plus simple. Par contre, gros, pour remplir, ça va être une galère, t'es au courant ou pas, l'eau? Avec ton gobelet, avec ta bouteille, wesh. Ouais, pour remplir l'eau. Ouais. Non, mais comme ça, c'est pour le... Depuis la mer, quoi. Bah oui, bah avec ta bouteille. Pourquoi tu fais pas avec ta bouteille? Ma bouteille est pleine d'eau, hein. Elle est de l'eau potable dedans. Drink, man. J'ai vu là qu'ils font des CV, ça n'a aucun sens. Ce matin, je me réveille à 6h pour aller en cours. Toi, t'es encore en live, tu fais comment? Bah, mec, c'est mon métier en fait. Ce que j'ai oublié un petit peu, c'est que c'est mon métier, c'est ce qui. C'est ce qui paye les factures et tout. Donc, mec, faut que je taffe, t'as vu? J'ai pas le choix en fait. J'ai que de la ferraille. On n'est pas du tout dans le bon cas. Non, parce qu'il y a une île en face, gros, Ah, tu veux la faire? Ouais, bah on va récupérer un peu de métal, de fer et tout, quoi. Et en plus, elle a l'air grande. Fils de pute, putain, j'ai lequel en plus. N'oublie pas les dessous de table. Ah ouais, non mais je te jure, il y en a gros, t'as l'impression. Ils postulent, c'est pour... ils postulent pour, comment dire... Un job de... D'assistant... Qu'est-ce que vous voulez, hein? Hey, good night, bro. Thanks a lot, dude. Merci beaucoup, frérot. Merci pour les 4500 bits, frérot. The Condorian, Maldorian, Condorian. Merci, frérot, pour le soutien. Très, très apprécié. Merci beaucoup. Guys, faites-moi un mur de 1B dans le chat, please, pour Condorian. Merci aussi à Neyu pour les 3 euros. Merci, Shades, pour les 3 mois. Merci, Zero, pour les 10 mois. Merci, Kay, pour les 2 mois. Merci, Gore, pour les 4 mois. Merci, Gelbay. Merci, Monsieur Frenajourou. T'as coupé les deux ou pas? Ouais, les deux. Vas-y, j'y vais. Ça, je vais enlever. Non, mais envers. Je vais discuter d'abord avec modération. Je vous dirai demain par rapport au modo si j'en prends un ou pas. C'est compliqué en fait de prendre un modo, c'est pas juste viens prendre un modo. Genre avant oui, mais maintenant c'est compliqué la modération. C'est devenu un vrai métier, tu vois. Enfin, pas le métier, mais c'est devenu une tâche en fait, c'est sur la chaîne. Et donc du coup, je peux pas juste dire vas-y, je prends 3 modos qui vont être modo, ok, t'es modo, tu vois. C'est. Enfin, à part si vous avez de gros atouts, hein. Si vous avez des atouts indéniables, là auquel cas, vous rentrez directement dans la modération. Par contre, dans le cas échéant, compliqué, hein. Vous savez, les critères de sélection sont très stricts, quoi. Bah, figure-toi qu'on n'a pas autant modo que ça, hein. Pour une chaîne qui fait genre dans les...
2500, 3000 viewers, un truc comme ça, bah on n'a pas beaucoup de modos. Hein. Normalement, tu sais, genre, je vois des chaînes, les mecs sont 600 ou 800 et ils ont genre 25 modos. Je suis en mode, wow. Mec, tu sais, j'ai une dizaine de modos. Hein. C'est tout, hein. J'en ai pas plus. Hein. Enfin, c'est tout. Ce qui est déjà très bien en vérité, 10 modos. Mais il y a des chaînes, tu sais, il y en a genre vraiment plus en fait. Il y en a vraiment plus. Quel genre de gros atouts? Des balls énormes. L'autre là, et genre, il te faut du bois ou pas? On dort. Ouais, vas-y, il te faut du bois ou pas? Bah, quand même, hein, pas mal. Hein. Ok, attends, deux. Tu gonormes là maintenant? Il est quelle heure? Putain, tellement galère de tuer ce fils de pute. It's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. Vas-y, on dort. Je dors là, moi. Tu dors ou pas, là? Ouais, j'arrive. Mais on peut pas dormir à deux, gros. Attends, mais hein? T'en as fait qu'un? Non, il y a le clear, encore. Juste, attends, je remplis juste le clear. Vas-y. Là. Dimodo, c'est même que tu stream très souvent et tard, ouais. Après j'ai deux horaires, tu vois. J'ai l'horaire l'après-midi. Et j'ai l'horaire du soir, tu vois. Donc du coup, en fait, ça crée un roulement. Même si la plupart du temps, c'est toujours les mêmes, en fait, qui sont souvent là. C'est bon. Tu veux qu'on tue le requin, vite fait? Comme ça, on va choper du fer. Vas-y, j'y vais. Donc, ouais. Il est sous moi, là. Sous le bateau. Train du sommeil, c'est barré, elle a dit. Choo-choo, motherfucker! Il est loin, il va presque mourir. Encore un coup, il est mort, je te le dis. Vas-y, attends, vas-y, reste derrière moi. T'es derrière moi là? Ouais. J'attends, il arrive. C'est bon, j'ai géo. Ouais, vas-y, commence. Vas-y, j'y vais. Posez la bouffe, j'arrive. Non, mais c'est pour ça que je prends pas de modo maintenant. Parce que typiquement. En fait, je veux pas prendre un modo qui est au chômage. Parce que ce serait pas lui rendre service, tu vois. Alors c'est cool parce que du coup genre tu sais il serait occupé, enfin ça l'occuperait indirectement d'être modo sur la chaîne et tout. Mais ce serait pas lui rendre service parce que du coup genre il se sentirait tu vois genre important et tout etc, enfin utile et tout. Mais du coup derrière en fait ça veut dire qu'il chercherait pas de taf, tu vois. Parce qu'il se dirait genre typiquement je modère et c'est considéré comme un taf et du coup genre je taffe pas. Alors qu'en fait c'est pas ce que je veux, tu sais, je veux que les gens taffent, tu vois. C'est cool tu sais de modérer mais ça reste un... Ça reste un truc à côté, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis, je veux pas forcément mec... Vas-y, va de l'autre côté, gros, viens, on reste pas ensemble. Y'a que ce côté-là, putain, là où on casse les couilles. Le requin, y'a rien. Mais si, l'autre côté, non mais l'autre côté. Y'a l'autre côté aussi. Y'a d'accord, je sais. Et du coup, genre, c'est pas que je veux pas de chômeurs dans la team, c'est juste que... Y'en a en plus, hein, des chômeurs dans la team, je dirais pas qui, hein. Je dirais, je lâcherai pas de nom, hein, d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir
des gens, tu sais, qui foirent pas leur vie parce que du coup ils modèrent sur ma chaîne, tu vois. Tout sauf moi. Le mec, c'est le pire des chômeurs, tu sais, il dit tout sauf moi. Mec, y a pas de fer, hein, c'est un truc de ouf, hein. En fait, c'est mal fait qu'on ne puisse pas faire fondre la ferraille. Tu vois. Pour faire du fer. Ouais, c'est ce que je veux dire. Genre... Parti, on va à Lille. Y'a plus rien, c'est bon là, y'a plus de fer et tout. Ouais, je tourne autour, là, j'ai rien, moi. C'est pas possible. En gros, j'ai ramassé 3 de fer, ça. Quoi, 2. Ouais, c'est pas possible, y'en a pas un peu plus, normalement. Beaucoup de pierres. On est deux actuellement sur dans la game, les gars. Oh. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, je veux pas prendre un... Vas-y, on se barre. Je veux pas choisir un modo maintenant et tout, parce que c'est, en fait, ça impliquerait trop de variables et trop de trucs, donc... Je vous dirai demain après-midi. Je mets c'est une vraie annonce, tu spoil assez tard en général. Je modère chez le Kun très tard aussi. Ah! Tu modères chez Kun? Nice! Il y a des trucs à modérer chez Kun ou. C'était gratuit. Oh, je le kiffe, Kun. Vas-y, on y va ou quoi? Vas-y, prends la barre, j'allume les. Vas-y. Lève l'ancre aussi. Quand tu peux. C'est bon. Ok. Tourne, mais dis, tourne là-bas. Gauche. Tout droit. Non, tout, un peu à droite. Stop, tout droit. GG, man. You're so damn good. Check ton épouvantail. Oh! Mais t'as vu l'épouvantail? Ils l'ont niqué. Ils l'ont graille! On va prendre un petit screen là en troisième personne. T'as pas la caméra libre. Mais si, plus, je l'ai moi. Tu l'as pas toi, tu l'as pas? Oui, mais genre sans le HUD et tout, enfin, c'est dommage. Mec, t'as même pas de bite. Hein? T'es vide, t'es un mec vide de l'intérieur. Ah ouais. Toi. Cherche quelqu'un, je suis là. Ça, ouais, ça je l'ai vu. Après, je suis pas là. Tiger, t'es où encore? Tiger, tu commences à me pomper le système. Jamais là. Toujours des dates à gauche, à droite là. Frérot, tu commences un peu à me fatiguer. Voilà. Donc je sais pas si tu vas continuer à être modo sur cette chaîne encore longtemps. Je préfère être franc avec toi. Pas sûr. Voilà. Donc juste, je vais te le dire. Si jamais genre un jour tu viens sur la chaîne et que t'es plus modo, tu sauras pourquoi. Yo Sky, ça va quoi frérot? Comment vas-tu? Attention, le chemin, j'ai choisi de l'être pour faire ma maison. Ah oui, non, mais après quand c'est un choix, quand c'est un, comment dire, une raison qui implique du coup une action ou quoi, c'est normal, tu vois. C'est comme ceux qui bossent pas pour, tu sais, ceux qui bossent pas pour, comment dire, une raison médicale ou pour tel truc, ou parce qu'ils veulent, ils ont un projet, ils veulent monter une structure, ils veulent monter une boîte, c'est normal, je veux dire, c'est logique, tu vois. Même moi, c'est ce que j'ai fait, tu sais, pour me consacrer au stream et tout, bah, je me suis mis au chômage, indirectement. Et après, ça porte ses fruits, aujourd'hui, j'ai envie, tu vois. Mais c'est normal, tu vois. Quand t'as un truc en derrière, oui, mais quand t'es juste chez papa-maman et que tu regardes, Jean-Luc Reichmann à 11h et après t'enchaînes sur Automoto et que t'enchaînes sur le téléfilm du lundi et que t'enchaînes sur... Ah gros, non. Ça va tranquille, le Sky. En plus, il ne veut pas dire s'il chope. Ouais, c'est vrai en plus. Hey Tiger, tu pêchais ou pas gros? Oh
Attends, mais dis, genre, ne me dis pas que ce qui est en face, gros, c'est encore la V1000 de tout à l'heure qui me casse les couilles. Non. Parce qu'il y a les fat, hein. Elle est fat en face. Hein. Ouais, c'est notre destination. Ah, c'est là où on va ? La plus grosse île du game. La plus grosse île du jeu ? Tu vois pas déjà là ? Oh. Bah, je l'aperçois avec les arbres et tout. Elle est huge comme. Huge like your cock ? Oh man, I saw your cock last time. It was so damn big, man. Eh, regarde, oh gros, regarde, y'a quoi ici contre le mur? Mec, moi c'est ça, gros. Attends, comment on enlève? Mec, moi c'est ça, gros. Mais comment tu le mets? Comment tu le mets sur le truc? Ah ouais. Oh là là. Moi c'est ça, gros. Regarde ce que j'ai mis, tête de pas trop cher. Montre. J'ai Doggy Anaïs. Oh le bâtard. Lili, mais dis Lili. Lili. Aïe. Oh merde. Oh putain, le karma. Il revient. Ah, de bas. Rome. Oh non, mais maintenant, ça s'est niqué. Problème là. Il y a une couille. S'arrêter. Et puis il y a plus de bois, je crois, non? Non, il a la moitié. Quoi? Mais t'as inversé, espèce de gars, que t'as inversé, putain. C'est pour ça. Mais oui, n'inverse pas, faut garder le même sens. What a huge island. Island, man. Rome. Ouais, c'est Rome. C'est ça que j'ai mis le. L'ours. Et clipper, envoie lui, il va rigoler. Clipper le. Sergei, tu vas pas venir là? Sergei, c'est la dernière île du jeu. Tu vas pas Sergei. Venir vite fait en scred là sur TS et venir la game là? Sergei, vas-y. Sergei. Et après ça, dis-toi, Sergei, on en a même pas pour une heure. Sergei, même gros, pas. Gros. 30 minutes. Gros, Sergei. Et après nous on décore. Je sais, gros, que tu peux pas venir parce qu'elle t'a mis les menottes. Ouais. Mais tu veux pas venir, gros, juste viens, gros. Et c'est la fin du jeu, gros. Demain, il y aura plus de draft, frérot. Plus de draft, gros. Viens, lève-toi, viens faire du raft. Sergei, demain, tu vas regretter. 30 minutes, Sergei. 30 minutes, gros. Et là, tu vois, on va galérer pendant 10 minutes à trouver l'entrée. À droite, c'est l'entrée ou pas à droite, là? Non. As. Chiap. Attends, vas-y, viens voir. Vas-y, va à droite, je vais te dire. Mais, mec, j'ai l'impression que l'île est énorme. Oui, mais elle est énorme. Je crois même que le jeu il dépop quand tu finis cette île. Bah ouais, de ouf. Même ton PC il dépop, gros. Oh gros, regarde, gros. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des guirlandes? Non, c'est des chaînes. Des lianes. Des. Non, ah non, c'est des. Mais c'est l'entrée? Coupe, prépare l'encre. Vas-y. Bon, je pense pas que ce soit là. Hein. Vas-y, encre. Tu peux couper l'autre là, gros? Merci, mais j'ai gros. Mais y'a rien ici, gros, c'est pas là l'entrée. Wouah, mais dis. Waouh! Avance pas. Ah, ok, j'arrive. Sergei, il a dit un truc. Sergei, il a dit quoi? Il a dit quoi, Sergei? Il a dit quoi? Si tu veux, je t'équipe des TS au bout de 30 minutes. Sergei, viens, gros! Tiens, putain, pour 30 minutes, gros! S'il te plaît, gros, 30 minutes, frérot! Sergei, c'est la fin, gros. La semaine prochaine, tu prends une semaine de vacances. Quoi. On va faire Dying Light. En 3 jours, on rush Dying Light. Ah ouais, Sergei, ouais, la semaine prochaine, gars, gros, ouais, Dying Light, raison, Dying Light, hein, la semaine prochaine, Sergei. Pose une semaine, frérot. Pose une semaine. Genre, on fait 3-4 jours à Bali. Puis après... Où ça? Où ça, 3-4 jours où? Hein? 3-4 jours où? 3-4 jours où? T'as rien dit, moi. Oui.
cours de survie, il est venu en rouge. Pourquoi il est en rouge? De quoi? Oh, wow, j'ai dit n'importe quoi. Hey, t'as pas un goût de fer pour moi, frérot, s'il te plaît? Bah non, on n'a pas eu de fer. Bah non, mon grand, c'est trop grand, même pour toi. Oh non, gros, ça marche pas, mes raccourcis. What the fuck, il se lâche, toi? Oh, oh, il arrive quoi, lui? Ah, il a chié. Tiens, j'ai une petite faim. Tu veux tirer 5 du Drogba? Vous savez qui je suis? Le footballeur? Oui. Si je peux me permettre, je suis excellent. Tu es trop lourd, et vraiment moi. Oui, oui. Du délicieux chocolat fondant aux noisettes. Ah, le plaisir qu'on s'offre pour les petites faims. Remets, s'il te plaît, remets là. S'il te plaît, remets là. Tiens, j'ai une petite faim. Tu veux tirer 5 du Drogba? Vous savez qui je suis? Le footballeur? Oui. Si je peux me permettre, je suis excellent. Tu es trop lourd, et vraiment moi. Oui, oui. Du délicieux chocolat fondant aux noisettes. Le plaisir qu'on s'offre pour les petites faims. Vas-y, ramène tes fesses là, viens, on y va. Attends, je fais cuire. Putain, il fait nuit. Allez, on dort, je te dis, on dort. Ouais, cucu, il y en a un gros. Sergei, il a dit quoi? Il vient? Sergei, viens, gros. Sergei, il a dit. Ouais, j'arrive, mais j'arrive, mais j'arrive, mais j'arrive, mais j'arrive. Mytho, c'est un mytho. Eh, écoutez-moi bien. Si Sergei, il vient, je lui donne 2000 balles. Mais parce que je sais que elle lui a mis les menottes, ouais, il viendrait jamais. Allez, second poteau, Pavard. Oh, Benjamin Pavard. Ah, je l'ai vu arriver en plus. Un lingot, gros, un lingot. T'as besoin? Ouais, passe-moi s'il te plaît. Thank you, sir, appreciate it, man. Really do appreciate that, boy. Non, il me faut deux lingots. Ah bah bon, là ça cuit, mais j'ai plus de bois. Donc si je peux mettre ça, le bois là. Voilà, celui-ci. C'est bon, ça. Ouais. Full bois. L'eau pour les animaux, j'avoue, il n'y a plus. Mais ils sont morts. Ah, vous t'avez peur. Mais oui, je les voyais pas juste devant. Mets de l'eau. Mets de l'eau fort. Oh merde, j'ai mis où ma bouteille? Allez là. Des zombies, on joue. 24. Faire des quêtes principales, secondaires, sans oublier de grands. Pourquoi tu me dis ça? Je comprends pas. Récolte les planches là-haut. Où ça? Les arbres. Ah. Il y avait des lingots dans un coffre? Nique les 2000 balles, je préfère les roubles. Eh hey, gros, je te passe 2000 roubles. Frérot, je te passe 2000 roubles. Tu viens, je te passe 2000 roubles. Là, maintenant, clac, virement. Ah, mais, vas-y, t'es un fils de pute, toi. Et vas-y, parles, mais des lingots ici, espèce de sgeg, va. Je viens de les mettre avec ta grosse tête, là. Ah bon? Pardon. Non, grave pas. Hey, gros, t'es vraiment un sgeg. Pourquoi il y a ça? D'accord. Je viens de tilter un truc, pourquoi il y a ça là? Parce qu'en fait tu peux relier avec un pipe et créer un système de boiling. To boil water. To boil water? My big war. Mais je replante des arbres ou pas? Est-ce que je replante des arbres? Tu veux replanter des arbres? Je vais replanter des arbres. Tac tac. Tac. Et merde, tu peux mettre un pain. Attends, je vais. Ok, arrose. T'as dit quoi? Arrose. Bol de arrose. J'ai acheté des bols de arrose. Un bol de ya, je connais bol de ya, mais je connais pas bol de arrose. Non, pas un bol de riz, gros. Un muffin portugais, gros. C'est archi bon. Ok. Arrose de capitaine? Non, c'est pas loin, ça. Passe nat, ok. Sergei, viens jouer, gros. 2000 roubles égale 28 euros. C'est un sgeg, gros. Ah, il a dit combien? 2 millions de roubles. Ok, viens, vas-y, viens. Mec. Ouais. Il vient ou pas?
Bah en fait, j'aimerais, franchement, gros, ce serait tellement un kiff s'il venait jouer avec nous. Et juste là, genre 30 minutes pour faire Sergei, après il va dans le... Sergei, écoute. Après le truc, c'est ça ce que tu vois. Sergei, tu m'as rien à faire pour, tu m'as rien à faire pour mon anniversaire, ok? Et bah, je veux que pour mon anniversaire, je veux que mon cadeau soit que tu viennes maintenant, en fait. Voilà. Ce sera mon cadeau d'anniversaire, vu que tu m'as rien offert, fils de pute. Mais s'il te plaît, viens, s'il te plaît, fils de pute. S'il te plaît. Viens, s'il te plaît. Hey, mec. Eh, hey, Sergei, écoute-moi. Dans 20 minutes, tu te pètes. Eh, hey, gros, on speed l'île. Gros, c'est la dernière île du jeu, gros. C'est l'île Balboa, ok? De Rocky Balboa. Viens, s'il te plaît. Tu viens, on rush le truc. Passe une lance, j'en ai plus, ça, mec. Oh, y'a plus de planches. T'as des planches sur toi, ce mec? Ouais. Ah, c'est bon, y'en a dans la coffre. Merci, Tabarnex. Surge, please! Attends, Sergei, si Sergei vient, on attend. Oui, j'avoue que c'est carrément une ticket, ce truc, quoi. Je vais t'offrir une capote avec ma semence, comme ça, tu me clones et tu pourras jouer tout le temps avec la copie. Oh, le bâtard, il est... Mais dis, tu répares pas, gros. Oh, j'ai un problème. Il y a des voitures en dessous. Quoi? Oh, ça spoil. Ah, mais fils de pute, putain. T'as un marteau sur toi ou quoi, connard? Eh, hey, les gars, je sais ce qui pourrait inviter Sergei. Ce qui pourrait motiver Sergei à venir. Je sais. C'est que son label Beu de production soit financé à 100%. Et il lui manque, je vous dis, et il lui manque. Et je vous dis la vérité, il manque à Sergei, honnêtement, l'équivalent de 2000 balles. Sergei, ça, il te manque 2000 balles, 2000 roubles. Sergei, si tu viens, je finance ton label Beuteux de ouf. Production. Viens. Sergei. Attends, je vais l'appeler. Vendredi Dying Light. Ouais, Dying Light. T'inquiète, vendredi Dying Light. On fait que tous nous les trois, hein. Ouais, que tous les trois, ouais. Ouais, parce qu'à 4, sinon ça va. Non, 4, ça va être relou. Les gars, j'appelle Sergei. Eh, il répond pas, ce bâtard. Sergei, réponds, je t'appelle là, réponds. C'est quel fils de pute qui t'appelle à cette heure-ci? Ah, il est pas dispo, putain. Putain, il répond pas. Ça me dit FaceTime indisponible de Sergei. Ah ouais, je suis pas là vendredi, moi j'ai oublié. Pourquoi? Mais gros, ma daronne elle s'est fait opérer vendredi, gros, j'avais totalement zappé, moi, je suis un ouf, moi. Je suis pas là vendredi. Genre, si vous voulez, vendredi après-midi, mais pas le soir. Je suis pas là vendredi soir, les gars, je suis désolé, hein. Je vais rester avec la daronne, les frérots. Par contre, si vous voulez, samedi. Samedi, si ça m'est passé, samedi, je suis là. Ah ouais, j'avoue, les modos, vous avez carré. Hein. Oh. Eh, j'avais zappé, putain. Ah ouais, la daronne, elle est passée après Dying Light. Ah ouais, gros, j'ai oublié la daronne. La daronne, elle a brillé. La daronne, elle habite. Attends. Ah, ok. Désolé, frérot. Vas-y, on y va. Apparemment, Sergei, les gars, il s'est mangé un...
un coup de pression de sa copine. Donc du coup va. Ouais, elle lui a dit genre mais éteins-moi ce téléphone et tout, genre, et du coup il peut pas trop être sur le téléphone, les gars, il peut pas, il a pas le droit. Let's go. Ouais, vas-y, go. Tu sais que c'est là, on pénètre dans la dernière île, quoi, la dernière île. Wouah! Gros, il y a une bouteille! De palme! Oh, il y a une bouteille! J'ai une voiture, les gars, j'ai une voiture. Hey, une clôture! Attends, mais moi j'ai même pas lu le. J'ai même pas lu. Attends, mais tu veux pas d'abord. C'est quoi ça? C'est nouveau ça? Ah ouais, baie sauvage. C'est où? Mais c'est où? C'est où? Tu l'as ramassé? Je regarde, non, c'est quoi, mais. Bah non! J'ai rien là. Bah j'ai rien non plus. Ah, objet trouvé, baie sauvage, en faisant T, tu vois. Ouais, mais pourquoi on l'a pas sur nous? Ah, c'est genre un objet de quête. Pense, vas-y, viens, avance. Vas-y. Ah, t'en auras besoin, ok. Ah, objet de quête, ah, il y en a là aussi. Et quoi là sur le panneau? Watch out for bears. 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 Bears like it's some kind of I really appreciate this. Some kind of oh, devant où? Wow. Bon, on se fait spoil, faut pas regarder. Ah, faut pas. Baisse du. Ok. Warning. D-warp. D-warp. Tu vois, Sergei, t'aurais été là, tu l'aurais fait. Gros, toi, tu l'aurais fait. Ça y est. Tu fais mieux que nous. En fait, genre, vu que Sergei, il lise l'anglais, putain. Et gros, la dernière fois, Sergei, il lit en anglais. C'était quand on était sur la plateforme pétrolière. Ouais. Et gros, il a traduit n'importe comment. Balboa Natural Reserve, communication relay station ahead. Beyond this point, no loitering. No littering, no camera with flashes, no smoking or drinking, no unauthorized vehicle. Vehicle will be prosecuted to full extent of law. Ok, en gros, on va se faire su si jamais on fait un truc. Non, j'ai ma fille qui dort avec ma grosse voix, frère, elle va se lever, elle est collée à moi. Mais je rigole, mais je sais, gros, j'ai compris. Ah, et c'est quoi ce ding? C'est toi qui fais le ding, là? Mais gros, j'entends un ding. Putain, j'ai trop fort la musique, moi. Audio. Oh, j'entends un ding. Tiens, vous entendez le ding ou pas? Y'a que toi qui l'entends. Mais gros, attends. C'est peut-être l'élu, hein. Mais attends, moi, attends. Mais si, j'entends un ding, gros. Ah, ding, 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 genre une sonnette de vélo. Oui. C'est un vélo, gros, ding. On y va. Attends, j'apprends Sergei parce que là, gros, il m'a envoyé un truc trop important. Oh, gros, écoute, il y a un nouveau bruit, écoute. C'est quoi? Ah. Gros, c'est. Hey, je crois que c'est l'ours qui a trop pété après avoir mangé des baies, gros. Il y a moyen, gros, il a mangé trop de miel. On va trouver qu'il allait faire un. J'ai eu peur. Ah ouais, j'aurais dû le faire, putain. Viens. Il est à droite, le vélo. Ouais, j'ai mais viens vers ma gauche. C'est bien, ça c'est l'instinct de looter. Je vois pas directement à l'objectif. Attends. Comment ça s'assit à pancarte? Ranger Station, Relay Station 2, Relay Station 4, Relay Station... Ouais, j'ai combien de... Il y a combien de Relay Station, là? 4, 6. Vas-y. Ça mène à nulle part. Et on peut le couper, cet arbre, là, non? Ouais. Ah, ouais, t'inquiète pas, j'ai reconnu, maintenant.
Sagay, c'est le frérot. Du miel. Sagay, il y a un ours, un ours qui parle. Ouais. Ah, il a l'âge de Ken. Attends, reste derrière. Tema, je cancel, Tema. Il me touche pas une fois. Ah, il m'a touché. Ah, c'est Nao, ça en fait, ok. You got bamboozled. Il a pas dit wesh. Ah, j'avoue, mais tu l'as pas dit, gros. Et pourquoi je devais le dire? Mais t'as pas dit wesh. Non, faut toujours faire des petites incantations avant que ça arrive, t'as vu. Wesh, quoi? Quoi? J'ai fait quoi, chat? Pourquoi vous blâmez quand... Attends, mais est-ce que le monde n'est-il pas fait pour enculer des ours? What? Hein? C'est trop cheaté de faire ça, MDR. Bah non, gros. C'est la méta du jeu. Hein. C'est la méta, gros. Ah, gros. Eh, Guadi, il va être triste. Hein. Gros, tu vois les petites abeilles, là? Eh ben, je vole le miel et les abeilles. Théma, hop, dans ma poche. c'est par là, là? Oh, mais il est trop chaud. Je peux monter? Là, on est revenu, là. Ok, vas-y, viens par là. Il est en haut, le vélo, là. Bonne nuit, Hicham. Bisous, frérot. Eh, bon courage, frérot. Mais eh, Hicham, merci pour ton message. Ouais, vas-y, viens, on y va. Merci, Hicham. Non, mais eh, Hicham, il m'a envoyé un message trop mignon sur Discord. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je l'ai eu tout à l'heure, là. C'est Hicham Big Boss. Ouais, Hicham Big Boss, ouais. Je l'ai eu tout à l'heure sur le truc. Et ça m'a vraiment touché. Genre, je trouvais ça vraiment très, trop mignon de sa part, tu vois. Et force-toi, frérot. Force-toi. Oh, ça fait peur, gros. Il y a un fantôme. Took Chain, sorry. Oh, ils ont vu la chaîne. Ping. Oh, derrière toi, Snake, derrière toi! Oh, fils de putain! Mais derrière toi, gros! Derrière toi, gros! Karma aide! Hey, il est vénère, ce tours, gros! Oh! Il est vénère, ce tours! Il est pas normal! Enfin, ouais. Ça m'a fait grave peur. Attends! Je peux voir sa tête. T'en as une sur toi, espèce de con. Non, mais montre-moi, je veux voir si c'est les mêmes en fait. Bah, je l'ai pas ramassé. What? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai pas non plus. Non, rien. Non, j'ai pas, gros. Ah, il a pas donné là, il a pas acheté tête. J'ai que ça en fait, j'ai que mon globe. Je te jure, il fait suivre ce con et du coup, genre, t'as eu peur quand tu l'as vu? J'ai eu peur parce que quand tu me dis derrière moi, je me dis, bah, il mitonne, je me retourne et là, je prends le truc. Oui, c'était vrai. Allez, il y a une tente là. Il me dit, gars, Yuki, tu peux pas dormir sans ce risque d'AVC. Ah, pire, soit encore moins sur le live. Henry Stuff. Qui est pas. Mais attends, ça c'est un clin d'œil gros à. Attends. C'est un clin d'œil à Firewatch, non? À Firewatch? Ouais. Mais du coup, il y a le moteur, mais Henri. On s'appelle pas Henri dans Firewatch? HMR. Oui. Merci, frérot. Attends, juste lire vite fait les petites notes là qu'on a trouvées. On a rien trouvé pour l'instant. Mais si, tu sais, on a pas lu les notes de Vasaganta. On les a pas lus, ces notes-là. Non, mais moi, je les ai pas lus, en vérité. What? C'était quoi, ce bruit? Ah, ouais, je sais pas, gros. C'est un bruit chelou, gros. Radio Tower. Ouais, non, je les ai pas lus, celle-là, gros. Moi, je suis sûr que je les ai pas lus. Par contre, il y a beaucoup de notes, là, quand même. Je sais pas où nous sommes, ni si ce bouchon tiendra. Nous avons essayé de boucher le trou, mais l'eau continue de monter. L'hélice fait un bruit trans. Je pense que Mathieu a inondé le moteur. Signe a brûlé les. Ah, Signe a brûlé les. Philippe a utilisé la musique.
Et depuis quand Céline sait dessiner des cartes? Midi. Comment ça? Quelle carte? Mais t'as pas lu là, t'as pas lu dans le bouquin là? Page 7 là, le premier. Théma. Genre. Quelle ligne? Bah une fois, tu vois, une fois la nuit tombée, je lancerai ce message à la mer. Peut-être que le courant l'emportera. Qui que vous soyez, retrouvez-nous s'il vous plaît. J'ai dessiné une carte, j'espère que ça vous aidera. Céline. Ah ouais? Tu vois? Genre en fait, elle sait dessiner des cartes, gros. C'est, c'est ouf, hein. Je savais pas, gros, qu'est-ce que Céline savait dessiner des cartes. C'est celle qu'on a. Non, ça n'a rien à voir avec la station pétrolière. Bah si, c'est ce qu'on trouve sur la station pétrolière, ça. Ouais, c'est ça. Transcription. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ce bâtard va probablement survivre. Jens, nous sommes presque à court de vivre. La moitié de l'équipage a été embarqué sur le canot de sauvetage. Cette poubelle est en train de couler et continue à te procurer du rat. Du rat, ok. Ce n'est pas normal, tu sais. Cette bestiole, elle a bouffé la moitié d'un récipient de Morora et est quand même parvenue à emprunter les conduits jusqu'à la cabine de pilotage. L'effet du poison s'est peut-être estompé. Guide à la fois Olof tiré dessus. L'impact de la balle était tellement puissant que cette bestiole a fait un saut périlleux. Ah non! Ça c'est pas le plateforme pétrolière, ça c'est le paquebot, gros. Oui, le Vasagatan. Ouais, le paquebot, c'est le paquebot, ça. Ouais, ça c'est le paquebot, ouais, j'ai oublié. Merci beaucoup, Obelode. Merci, frérot, pour les 50 et mois de sub, frérot. Très apprécié. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Merci, Zizou, pour le sub et merci, Rilonge, pour les 11 mois. En fait, il parle des petits rats, là. Tu sais, des rats, là, qu'on attaquait. Ouais. Il parle de ça, en fait. Peut-être qu'il fait semblant, mais dans ce cas, comment expliques-tu qu'il ait survécu? La fois où Karl l'a plongé dans un seau d'eau, gros malin, c'est sûrement un autre rat. Il y a un autre rat, ouais, tu vois, en fait, il y en a plusieurs. Je vois d'approvisionnement en jour, on s'en fout. Les stocks de viande sont presque épuisés. Nous devons nous contenter de légumes. Nous en avons encore suffisamment pour un mois, je crois, à condition que notre hôte accepte de rationner davantage. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Kolof fait toujours sa grosse panse. Il doit être le dernier gros sur Terre. Wow. Non, il y a moi aussi. Jens, qu'est-ce que tu fous, nom d'un chien? T'es encore en train de chercher ton rat. Garde tes sales pattes loin de mes réserves de gaz, compris? D'accord, je m'en vais. Ne me chie pas un pendule. J'ai même pas touché une réserve de ta copine. Réserve de ta copine. Wow. Je vais te péter copine, le nez si tu continues. Ouais, c'est Céline, sa copine. Non, c'est Céline, sa copine, je pense. Je vais te péter le nez si tu casses pas vite fait. Il va falloir renforcer la sécurité ici. Casper, le système de ventilation est en panne et le réfrigérateur de secours ne réfrigère rien. Et le générateur de secours du réfrigérateur vient de lâcher. La plupart des fils ont été éventrés. Donc il va falloir aller vite. On dirait que nous avons une infestation de rats sur les bras, mais de grâce, n'en parle pas aux gens. Oscar, PS, nous savons que tu planques tes réserves pour Karine. Ah, Céline, Karine. Ah, gangbang. Parle-en avant. Parle-en avant que nous fassions à la place. Mais pourquoi ça? Tu nous attaques là? C'est quoi ça? Ziggy. Tu marches pas. Parle-en avant que nous fassions à ta place, c'est la meilleure chose à faire. Il est con. Ouais. Cette activité, putain, il vaudrait mieux. J'ai déjà essayé 3 fois, capitaine, je suis désolé. Mais nous devons regarder les choses en face. Votre fièvre ne va pas baisser, vous avez raison. Nous sommes lancés dans ce périple avec rien d'autre qu'un garde-manger à moitié vide et aucun médecin. Je ne pense pas que nous allons nous en sortir, et je crois qu'Olof le pense aussi. Il se balade nonchalamment sur le navire et garde un œil sur l'arme dans le coffre-fort. Il n'est pas d'arme sur le coffre-fort. Je me demande s'il sait qu'on a pris des balles. Quand j'observe les autres perdre espoir et se contenter de la bouillie que leur sert Casper, je réalise à quel point nous avions besoin de toi. Je ne suis pas doué avec les mots, mais te voilà, sale petit rat. Queener, viens ici, espèce de fils de pute. Je m'appelle, oh là là, quiconque écoute ce message, voici ma dernière volonté de mon testament. Je reconnais, t'as, c'est chiant que ça se ferme tout seul. Je reconnais avoir pris la fuite abandonnant mes électeurs et le projet Reformation. Le monde aurait peut-être pu être sauvé, mais je n'étais encore une fois qu'un homme. Quel impact aurais-je pu avoir? Le bateau est prêt, Olof. Si je quitte mon équipage et mon bateau, le moteur cale. En parle dans ce cas, où en étais-je? Ah oui, peut-être que trouverons-nous autre chose dans un endroit. Un endroit plus sec, plus sud, des sanctuaires situés en Antarctique. Nous ouvrions peut-être les portes. Un homme comme moi pourrait leur être utile, mais maintenant. Ok, d'accord. La cité du Grand Bleu.
Wow, c'est une cité flottante. Tu vois, c'est une cité flottante, c'est violent. Ouf. Le coût de réalisation du projet était qualifié à la limite de la criminalité, quoi. Quoi? Et sa portée, merde, et sa portée, pour le moins scandaleuse, malgré l'opposition très vive, le projet... Ah, putain, vas-y, Oh, fils de pute, tu me fais peur, putain. Hey, t'es con, je te jure. Avec ta tête, là, on dirait Ademo ou je sais pas qui, là. Putain, espèce de skate, quoi. Bougez vos petites fesses. Malgré l'opposition très vive, le projet de ville flottante ne semble pas être prêt de rentrer de sitôt. Dans sa dernière intervention, non, t'as pas les moyens, mon grand. Le médiateur déclare, nous sommes pleinement conscients que de la... Putain, mais c'est chiant que ça se ferme, là. Pleinement conscient de la gravité de la situation et de la pression que cela exerce sur la population en ces temps difficiles. Néanmoins, avec l'abandon des projets Reformation, nos options sont de plus en plus limitées. Maintenant, soit nous collaborons, soit nous rejoignons Stockholm, la tête sous l'eau. Waouh. Soit nous commençons, Monsieur Wiggum n'a fait aucun commentaire lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs planant sur la modification de son yacht personnel. Lorsque nous avons essayé d'en savoir plus sur les photos satellites d'une autre ville flottante trouvée près de l'océan Indien, Monsieur Wilkstrom a choisi de mettre fin à l'entretien. Plus tard, nous avons contacté une source anonyme qui nous a permis de confirmer cette information. Attends, il développe une île flottante ? Parce que j'ai l'impression, quoi. Mais là, ils n'ont pas réussi. Ils étaient en cours, c'est ça? Ouais. Parce que j'ai commencé un projet. Ouais. Attends, je rêve. Ou est-ce qu'il y a 24 heures qui vient de passer une game? Ah oui, 24 heures. Ouais. Le temps passe trop vite, non, je sais n'importe quoi. Elle est restée un moment, exactement. On dirait que c'est un peu trop cher pour toi. Je ne vais jamais devoir insister, les femmes, disait, les femmes savent que Call of perd rapidement le contrôle des hommes et du navire. Les femmes le savent. Chat, les femmes le savent. Vous ne pouvez pas mentir aux femmes. Les femmes savent tout. Ok? Les femmes sont omniscientes. On ne peut pas bamboozle les femmes. Les femmes nous bamboozlons. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait! Une espèce de bâtard. Regardez. Attends, il faut faire attention. Putain, mais c'est chiant que ça se ferme, là! Il faut faire attention à la nourriture. Le niveau 2 commence à monter. Casper a réussi à faire des affaires. Mais frérot, bon live, je t'aime. Merci, Arthur. Je vais tester, je veux savoir pourquoi ça se ferme. Quand tu restes inactif, il t'enlève la page. Je commence à chuter et le ciel s'obscurcit. J'ai moins de fièvre. Où est Han? Pourtant, il existe encore des endroits secs, mais là, veilleuse, Matt, tu m'aides pas. Comment on éteint ce truc, bordel? Toi, ferme-la. J'ai vu. Putain. J'ai vu ces endroits, il existait des cartes superstirantes. Ce sont pas des cartes, mec, c'est de simples plans. Rien. Comment espères-tu trouver un endroit sec ici? Le monde entier est englué sous l'eau, bordel de merde. Ah, donc en fait, c'est ça, en fait. En gros, il y a eu une montée des eaux. Tu vois? En fait, si tu veux, c'est sur Terre. Ça se passe sur Terre. Et un peu plus tard, dans un futur plus ou moins proche, on ne sait pas, en fait, il y a eu une montée des eaux massive, due à mon avis au réchauffement climatique ou un truc. Mmh. Et du coup, en fait, tous les continents, en fait, ont été engloutis. Et il ne reste que des îles. Okay. Tu vois Oui, il parlait de Stockholm tout à l'heure. Ouais, le monde entier est englouti, tu vois, et englouti sous l'eau, bordel de merde. Pas ici, mais là, plus loin dans le sud, il y a encore des endroits préservés sous la glace, l'Antarctique, tout ça. Ils ont créé ces endroits avant que tout ne sombre sous l'eau. Et ils se sont barricadés, laissant des pauvres gens livrés à leur sort.
Mec, tu racontes vraiment de la merde. Mec, je te jure, je suis tombé sur un type, un chinois, je crois, Van Loy, et je l'ai trouvé dérivant au milieu de nulle part. Il semblait perdu en mer depuis des semaines et il a à peine réussi à aligner deux mots avant de clamser. Il m'a dit qu'il existait encore des endroits secs au sud. Il serait alimenté par des réacteurs à fusion nucléaire. Nous pouvons y aller et mec... emmener ce bateau vers le sud, c'est moi ou ce rocher se rapproche? Non. Ok. Ruben, quand je t'ai quitté, j'étais amer et désespéré. Je crois que le monde touchait à sa fin. Et même si tu ne l'as jamais dit, je sais que tu le pensais aussi. Peut-être même que tu l'attendais. En fait, c'est peut-être pour ça que tu restais si fort. Mais... Oh, putain. Mais tu ne m'as jamais parlé... T'as arrêté de lire. Attends, mais tu n'as jamais parlé, tu m'as jamais confié ton secret. Plus le monde s'effondrait, plus je te voyais te perdre dans tes pensées. J'ai vu le monde disparaître avec toi. Ruben, c'est trop dur à supporter. Pardon d'être parti. Maintenant, je réalise que c'était une erreur. Wickstrom n'en savait rien. Personne n'en savait rien. Attends. Juste, montre-moi juste tes yeux. Montre juste tes yeux. Encore. Voilà, non, trop. Stop, non. Voilà, c'est bon. Non, lève un peu. Stop. Il est insupportable. Attends, maintenant que j'ai réalisé que c'était une erreur, Wickstrom n'en savait rien, personne n'en savait rien. Après le départ du capitaine, ils ont juste dérivé, complètement perdu. Ils ont croisé un navire de passage et dérobé ses vivres. Après deux semaines, ils se sont retournés les uns contre les autres. Nous sommes une poignée coincée contre un sommet de montagne perdu en plein milieu de l'océan, s'attendant à perdre de vue. Nous sommes affamés et apeurés, mais nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. Nous allons partir et prendre la direction du sud. Mati prétend qu'il y a encore des endroits secs dans cette direction. Trouve-moi si tu peux. Je sais que tu ne me croiras pas, mais sache que je t'aime. Ok. Et dernier message. Reformation, rapport sur la progression de la terraformation. Le cap rendement attendu lors de la stabilisation du bassin du Niger. Tu vois, donc j'avais raison. En fait, ils veulent re-terraformer la Terre pour recréer un continent, tu vois, qui serait genre au-dessus du niveau de la mer. En gros, c'est quoi? Ah bah en fait, avec du coup le genre, cette sorte de. Enfin, en fait, ils veulent déjà faire cette ville flottante sur l'eau, ouais, tu vois. Et en fait, tu te rappelles la plateforme pétrolière là, qu'on avait trouvée? Mm-hmm. Et ben en fait, ils veulent en faire en fait une. Putain, t'as de la bouffe, gros, t'as de la bouffe pour moi ou pas? Tiens. Et en fait, ils veulent roter. Merci beaucoup. Ils veulent re-terraformer en fait le monde. Et on y va parce que genre, j'ai plus de bouffe moi, j'ai qu'une cuisse de poulet. Bonsoir, Dioxygène, comment vas-tu? Oh, il a dit le N-word. Qui a dit le N-word? Moi? Non. Bon, d'accord, qu'il n'y a que Snake qui prête attention à l'histoire. Ah bon, il n'y a que moi? Mais attends, l'histoire, elle a l'air trop cool, l'histoire, en vérité. Mais en fait, le jeu n'est pas fini, hein. Genre, de toute façon, on fera sûrement un nouveau let's play plus tard, quand le jeu sera fini en 1.0. Là, pour l'instant, on joue pour... quoi? Un épique. Ouais, j'ai vu. En fait là cette aventure, en fait, moi je savais pas que le jeu était pas fini, tu vois. Si j'avais su que le jeu était pas en early access. Wesh. Mais dis, t'es chaud ou pas? T'as voulu venir là, mais t'as arrêté. Non, attends, je veux savoir, on va voir ce qu'il y a en haut. Attends, viens. Non, parce que ça, en fait, on peut même besoin de game, on peut passer par en haut, frère. Bah ouais, t'es mal, gros. C'est à quoi de passer par là, frère? Tu peux même besoin de game. Ah non. Non, il est invisible. Ok, mais dis, le but c'est de niquer le game, ok? On passe pas par là, on passe par un autre chemin. Bah c'est bon. T'as réussi? Ah, t'es tombé. T'es tombé. Ah, touche pas. On voulait longer, là, passer en dessous du peu, mais on peut pas. Je pense qu'on va retourner au bateau graille et tout. Pas te mentir.
En fait, si j'avais su que. En fait, si j'avais su que le jeu était pas en 1.0, je l'aurais jamais fait en fait. Wouah, mais dis, trop fort, gros. Wouah. Mec, tu l'as one shot, gros. Tu as mis un coup. Comment t'as fait pour mettre un coup? Comment t'as fait pour mettre un coup? Aucune idée. Il sort quand la fin? Est-ce qu'on a une date de... Tu sais, date de sortie du jeu en 1.0? On n'a pas de date encore, on est d'accord. Le jeu est encore en cours de dev. Pas encore. C'est Snake, oui, l'histoire est grave chouette. Ouais, franchement, elle est cool, hein. J'ai plus de bouffe, hein. Donc viens, va au bateau. Venir là-bas. Par là-bas, ouais. Pas encore de date, ouais. Mais moi, je trouve que le jeu est vraiment cool, hein. Honnêtement, on sait que peut-être tout le monde s'en fout de l'histoire, tu vois. Mais moi, j'aime bien, c'est genre les... J'aime bien, c'est l'histoire, en fait, tu sais, le background, savoir ce qui s'est passé et tout, tu sais, parce que... Tu sais, le monde a l'air riche, en vérité. Où déjà, par là? In case of bear sight, leave area immediately. Il faudrait qu'on fasse la zone avant d'aller à la tour, je pense, non? Donc l'île a l'air énorme. L'île a l'air énorme, vraiment. Ah bah ouais. Attends. Il est balèze, lui. Il est balèze, gros, non? Mais gros, il est balèze, lui. Je vais mourir. Mais gros, il est balèze, lui. Je suis mort. Non, t'as mytho. Et j'ai un problème parce que je le vois pas du tout là où tu le vois sur ton live, en fait. Moi, il est bloqué derrière un rocher. On meurt pas, Snake. Faut pas que tu meurs, gros. Ah, mais gros, comment je fais là maintenant? Il bouffe et attend que ça monte. Ouais, il est cool. C'est super relatif. Okay. Oh, mais j'ai un bug, putain. Moi, lourd, je le voyais bloqué dans un rocher. Et je me prenais des hits, mais genre alors qu'il était à 20 mètres. Non, il va mourir. En fait, c'est un ours alpha. Hein. J'avais dit qu'il était chou, il est pas comme l'autre. Parce que vu la couleur qu'il avait, il était noir et blanc et les autres étaient tous bruns. Il un peu. Et après tu spam E pour récupérer des flèches. J'ai plus d'arc. Ah, elle a sauté là. Ouais. Oh, j'ai plus d'eau. Putain. Il s'est allongé, gros. Ah, il s'est endormi. Oh non.
Et down. Ouais. Attends. Faire abandonner et apparaître si je reviens. Ah, reste là, reste vas-y, là. Vas-y. On va pas le faire tous les deux. Là, j'ai perdu. Mais je t'avais dit que c'est un ours alpha, je t'avais dit que c'est un ours chaud en fait. Je t'avais dit en fait. J'ai perdu tout. Parce que genre les autres ils étaient plus petits. Non mais ton stuff il est là, non? Il va être là ton stuff, non? Non, non, non. Quand tu. En fait, t'abandonnes et tu réapparais. Normalement, il n'y a plus mon stuff. T'es sûr ton stuff il est pas genre là où je suis, la mort? Non, non. Parce que t'as mis en hardcore, je crois, non? Non, j'ai mis en normal. Oh putain, il n'y a pas de lingot de fer. Oh non, je peux pas me faire une lance. Ah si, si, c'est là. C'est pas là. Bisous, Sky. Bon, dans bien, frérot. Bonne nuit, frérot. Merci beaucoup. C'était très cool. Putain, j'ai la haine. J'ai vraiment une haine incroyable. C'est un ours pas normal du tout. Il est dopé au miel. Non, mais gros, t'as vu comment il est énorme. Attends, en fait, quand il s'assied, ça veut dire qu'il dort. Ah, je savais pas, putain. Mais à quel moment un ours comme ça dort, en fait? Ah, en gros, cet ours, il garde la grotte. Donc, il doit y avoir du loup de porc dans la grotte, en fait. Ah, ouais. Genre, tu fais des flèches en métal. Je fais des flèches en... Prendre de la bouffe. Prendre des pastèques pour l'eau. Tu vois qu'on charge la partie? Tu vois qu'on charge la partie, en vérité? Parce que ça a chargé quand? Regarde, hein. Mais bon. Comme tu veux. Viens, regarde vite fait. Vas-y. Ça sauvegarde toutes les 10 minutes, donc vas-y maintenant. Quitte. J'allais faire oui. Même mot de passe, gros. Il est quelle heure? Il est 1h22. 1h20. Tombé, il devait être... 1h20, gros. Donc en fait, tu vas être encore tombé, je crois. Ouais, je suis déjà tombé, je pense. Il y aura sur un ours dans ton cas. Non, n'y pas. En fait, c'est pas le lexique, comment ça s'appelle? C'est pas une encyclopédie ou un truc, tu vois. C'est juste en fait un bouquin de voyage. Comment on a été trouvé? Ah, c'est bon. Petit Mehdi. Prends Mehdi. Ouais, ce que je vais faire. En fait, je vais le prendre. Je vais courir fort. Et je crois que vu que je suis pas sur le surf, tu pourras pas m'attraper, ce mec. Bon, je suis en chargement. En fait, quand tu down, ça save automatiquement. Mec, j'ai l'impression que dans le jeu, quand tu down, en fait, ça save automatiquement. Donc, du coup, t'as pas trop le... Voilà, quoi. C'est quoi ton pull? Il a l'air grave stylé. Merci. C'est le pull des hommes forts. Alors, je respawn sur le bateau. Et comme t'es pas un homme fort. Je respawn sur le bateau. Oui, oui, t'inquiète, c'est normal. Parce qu'en fait, ça save au moment où en fait, t'as respawn, je pense. Je viens de chercher. Vas-y. Bah, j'ai pas le choix en fait. Pour la save d'avant. J'avais une save avant. Tu veux regarder? Regarde, hein. Jamais, hein. Let me check real quick, boy. Non, j'en ai qu'une. Sur attends, la save, world backup. Sur la save, ouais. Et world backup, et normalement, ça te save. T'as les 5 derniers. Une heure 17, une heure 17. Hein? Une heure 17, une heure 17. Et sinon, t'as quoi avant? Une heure 10. Une heure 10, on était où? On avait rien fait, une heure 10, on faisait rien, on fait quoi? Une heure 10, je crois qu'on était au niveau de truc là avec le. Vas-y, une heure 10, franchement, vas-y, une heure 10. Oh, c'est lourd. Eh, franchement, c'est cool qu'ils aient fait ça. Hein. C'est cool qu'ils aient fait un set de backup où ça t'écrase pas ta sauvegarde automatiquement. 1h20 même. Non, 1h20 c'est trop tard. En fait, 1h20 c'était trop tard. Il était déjà down. Non, mais Tiger, tu fais chier là.
déjà t'es pas là demain après-midi, je suis pas, au bout d'un moment mec, je vais te ban. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Hein ? Quoi ? I just don't understand what you're saying. Man, he's fucked up. It's fucked up. He doesn't follow the stream, he's like just wandering, I'm like, mais gros, mais... Mais, what? Yeah. Mais, il me dit que je suis déjà mort. Bah, t'as bien safe, enfin, t'as bien safe, t'as bien récup... Une heure du mat. Vas-y, une heure du mat, gros, personne n'était mort. Une heure du mat, je crois qu'on n'était même pas encore descendu. On était en train de lire, peut-être. En fait, j'ai l'impression que quand tu down, le jeu écrase genre toutes les autres sauvegardes. Mais c'est bizarre. Du coup, ça serait bizarre. Pourquoi ? Oh. Mais... Vas-y, mais le jeu, il est fucked up, gros. Il y a un problème. Can't imagine my Roger Tiger unless you are owner of the channel. Il résiste. Goldiqué. Attends, mais... C'est bizarre. À moins que j'ouvre l'inventaire et je fasse un truc vite fait. Attends, j'ouvre l'inventaire fort. Non, mais c'est baisé. Non, mais en fait, c'est baisé. En fait, dès que tu meurs, j'ai l'impression que dès que tu meurs, ça te... Pour éviter, en fait, les... Save scum, tu vois. Ça t'écrase limite toutes tes sauvegardes, j'ai l'impression. Je pense, hein. Ce qui me paraîtrait plus logique. Parce que, à moins que leur système soit totalement buggé, tu vois. À moins que leur système de sauvegarde soit totalement buggé. Je pense qu'en vérité, pour éviter les save scum, dès que tu meurs, ils t'écrasent absolument toutes tes saves. Bon, vas-y, on fait quoi ? Je fais abandonner et réapparaître ou. Non, parce que t'as trop de stuff sur vas-y, toi. Bah alors speed. En chargement, le waiting. Je pense que ça rollback. Pas parce que Mehdi est sur la save. Bah non, ça peut très bien sauvegarder l'état des deux joueurs en simultané, tu vois. Ouais, je sais pas. It's weird, man. It's weird. T'as mis un password parce qu'ils me disent une connexion non. Possible. Non, aucun password. Everybody can join. Connexion expirée. Quoi ? T'as eu rejoindre. Ah, c'est bon, loading. Ok. Vous, t'as une save pour le monde et une save pour le perso. J'ai compris. Ah, est-ce que j'ai chargé c'est la save du monde, c'est pas la save du perso, c'est ça ? Et comment on fait pour changer la save du perso ? Charger le monde d'abord. Alors. Bisous Tiger, dors bien frérot. Sale traître. Tu vas manquer demain après-midi Tiger. Quand tu seras pas là. Et que je t'enverrai des messages. Je serai seul. Moi avec eux. Je t'aime. Tiger. Shit. Tiger, ramasse. My leg.
Bonne nuit, frérot. Dors bien. Il pète un plomb. Mais toi. Zebi Puputin. Moi, je vais essayer. Putain, Zebi. C'est quoi ce pseudo? Zebi Puputin, Zebi. Change, mec, change son pseudo. Il pue la merde. Nul. Inutile. Useless. Et elle est grande, alors on va plus. Oh. T'entends l'ours ou pas? Non, t'entends. Non, j'entends rien. J'entends juste les oiseaux. Il a percé le voisin ce matin. Ah, mec. Pas que le voisin, tout le monde. Tout seul. Best friend for life. mais quand tu es immobilisé, tu perds de l'eau et de la bouffe, c'est abusé. Ouais. J'avoue que le système de. En fait, le système de mort et tout est un peu bizarre dans le jeu. Tu vois. Alors, c'est cool de ne pas mourir et d'être immobilisé et que les potes, du coup, viennent te raise. Ça force la coop et tout. Mais je sais pas. Je trouve quoi, genre, en fait, ils devraient au moins figer les jauges de stats là-bas, tu vois. Ils devraient les figer, tu sais, histoire qu'elles continuent pas à descendre. Là, elles continuent à descendre, c'est relou. Quand. BBF. C'est quoi BBF? IF. C'est quoi BBF? C'est. Moi, je connais BFF, Best Friend Forever. Et c'est quoi BBF? Ouais, c'est BFF, on est d'accord. C'est BFF. Ouais. Ouais, mais en même temps, comprends rien. Il est quasiment juste à côté de ton cadavre. Sérieux, gros. Eh, prends-le et saute sur les rochers, il pourra pas toucher. Elle est nulle, l'autre. Oh ouais, mais elle va pas dormir à 1h30. Quoi? Hein? Je te vois pas, gros. Genre, tu me vois, tu me vois ou pas? T'as fui ou... Non, je suis encore allongé sur le sol, là. T'es proche de la grotte? Sur le chemin. Je vois un arbre et un buisson devant moi, là. Ça va pas beaucoup t'aider, mais... Boy, femelle. Boy, banging female. Ah, j'entends l'ours là. J'entends l'ours, gros. Recharge. Hein? C'était full live et ma two shot, putain. Non, t'es mort aussi. Mort. Attends, si je fais abandonner, je perds mon stuff là? Oui, tu perds ton stuff, c'est ce qui m'est arrivé. Oh man, j'ai du gros stuff sur moi. Mais dis, mais viens me chercher, gros, et on se pète, putain! Attends, je reviens, wesh, là. Mais ne n'affronte pas le l'ours! Prends-moi et on se barre! Y'a pas des commandes genre give up ou. Je sais pas. Pour give, comment ça? Non, mais genre, ils ont dit, c'est pas des commandes pour give up le. Tu sais, genre. Vas-y, si je peux faire abandonner apparaître, en fait. Mais les gars, si je fais ça, je perds tout ce que j'ai sur moi, en fait. Me dis. Y'a plus du tout de quoi se rostoff au radeau. Donc, mais on s'en fout, viens me chercher, on se barre. Ne fight pas. Je te dis que là, dans ton point de vue, il est à 30 cm derrière toi, en fait. Donc, quand j'ai essayé de te ramasser, il m'a mis un hit. Et ça a annulé, genre, le fait que je t'attrape. Et il m'a remis un deuxième hit juste après et ça m'a canné. À quand une? Obéir ma 3 à l'ancienne. Ah ma 3, c'est OSB, non, quand même. Opération libérée, délivrée. Je mentirai. Je vais essayer. Jamais. Si ça veut pas, il faut que j'aille chercher, je pense, 5 baies là. Je sais pas si t'as vu, il y avait une caisse rouge et bleue. Ouais. Je suis allé la voir, mais il y a peut-être du stuff dedans. Et il y avait écrit nécessite 5 baies sauvages. Ah, pour attirer. Le... Ah, mais on peut pas le tuer. Ouais, quoi, je gagne la pêche. Attends, ça, on peut pas le tuer. Hein. Strong, en fait, c'est le lore. C'est le jeu qui veut qu'on le l'apprivoise ou qu'on lui donne à manger ou un truc comme ça. Non? En route. Non, vous pouvez pas. C'est vrai, on peut pas le tuer, chat?
Parce que si on peut pas, faut nous le dire. Hein. Sinon, on va perdre beaucoup de temps. Si tu peux. Je suis en route là, j'arrive. Parce que si j'apparais, les gars, je perds tout mon stuff. Et l'idée, c'est pas perdre le stuff que j'ai sur moi. Tu peux, mais il est très dur. Ok. Tu veux être spoil pour celui-là ? Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Non, mais. Juste, est-ce qu'on peut le tuer, oui ou non, en fait ? Si on peut pas le tuer, dites-le nous, en fait. Genre, comme ça, on évite de faire les gags. Mais si on peut le tuer, genre. Ok. Comment ça, je suis pas sub ? Vas-y, t'es sub, mais officiel. Si, si. Fais F5. T'as un bug. C'est quoi, frérot? Vous êtes deux. Il y en a un qui. Attends. Il y en a un qui braine l'ours et l'autre qui rentre dans la grotte. Mais en fait, l'idée, c'est même pas de rentrer dans la grotte. C'est que Mehdi me sauve. Non, on peut pas le tuer. Ah, on peut pas dire, on peut pas le tuer. Merci, chat. Merci beaucoup. Oui ou non? Ou non? Ou. Oui? Non mais on peut pas le tuer, c'est bon. Putain, mais quoi, vous pouvez pas dire ça plus tôt, tchat, putain. Ou de faire galérer comme ça là. Ça faut le dire ça. Comme ça après vous faites ban. Oh GG gros, oh GG gros, meurs pas gros, meurs pas. Saute sur le rocher, reste sur le rocher, reste sur le rocher, reste sur le rocher, reste sur le rocher. Mais dis, reste sur le rocher gros. Oh, je m'éloigne. Il derrière toi, je le vois, il derrière toi. Gros, oh GG gros, le goat, mais si, le goat, saute gros, saute en bas, saute, fils de pute, saute gros. GG, mais dis, GG, c'est le goat. Les gars, me dis, c'est le goat. Tu sais, c'est pourquoi, tu vois, j'aime jouer, me dis, parce que me dis, c'est le boss. C'est pour ça qu'on l'appelle Medboss, les gars. Medboss 94. Parce que c'est le boss, les gars. C'est le boss. Ah c'est bon, j'entends plus, gros, GG, putain. Je suis trop chaud, putain. Mais dis, c'est un bon... Ah non, mais dis, c'est... Oh, GG, gros, GG. Oh mon dieu. Oh j'ai sauté dans le vide. En fait c'est baisé parce que en fait tu sais quand tu réfléchis le requin fait moins de dégâts que l'ours. Après c'est pas Ah, j'ai besoin de la saison 3 là. Sasageno. Merci. Tiens, gros, tiens. Lego. Oh non. Mais oui, c'est pour ça que je pouvais plus rien faire. Mais si, il y en a 4 là, t'es con quoi. Là, non, mais c'est des planches, je crois qu'il y a plus. Ah bah tiens. T'as des planches sur toi. Tiens. Sasayero, Sasayero, Ino, Sasayero. On va prendre ma bouffe.
Ah mec, tu m'as sauvé la vie de ouf. Attends, j'en plus ma bouteille. Ok. Y'a de quoi en faire une. T'as pas de bouteille? Ah non, vu que je suis mort, j'ai perdu tout mon stuff. Mais il est en haut ton stuff, faut aller chercher, il est en haut gros. Non, non, j'ai cherché, y'a plus mon cadavre. Chat, est-ce que quand tu meurs, pour ceux qui savent, si vous savez pas fermer vos gueules, est-ce que quand tu meurs, ton stuff dépop? Ou est-ce qu'il y a une caisse comme dans Minecraft où tu peux. Enfin, pas une caisse, mais. Enfin, pas comme Minecraft, mais tu sais, une caisse où en fait ton stuff est dedans? SNK, c'est le meilleur des animes du monde. SNK for life, je vous le dis tout de suite. Quand tu meurs, tu gardes ton stuff. Non. Bah non. Quand tu meurs, il n'y a plus rien, on me dit apparemment. Il spawn, c'était vide. Il faut que tu aies un lit. Ok, merci beaucoup. Ouais. En fait, il faut juste qu'on te redépose dessus et tu le perds pas. Mais moi, ouais, c'est ça. Même si tu mourais, ah, c'est en facile, je crois. Que quand ah, en facile, tu perds rien, en fait, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, oui, oui, ça dépend du niveau de difficulté, Nounou, c'est ça, ouais. Cher 510, ah, okay. Asageyo. Non, ça s'arrête. Putain, j'ai le seum. Mec. Attends, ouais, viens, on dort. Viens, on mange fort. Et écoute-moi, on peut pas l'enculer, ok? Donc ça va rien qu'on. Oh, on visitera autre chose. Attends, je prends ça, je prends. Un boulon. Attends. Attends, je peux faire un arc ou pas? Corde. Est-ce qu'on a des substances visqueuses? Je me dis, on en a plus, hein. Ah putain. Où ça? Non, il est resté au. Là, en haut à droite, 14. Ah, GG. Attends, le truc s'appelle arc simple. C'est-à-dire qu'il y a forcément un arc violent. Ça me paraît logique, non? Non. Bah, non, c'est sûr. Ouais, bah. C'est sûr. À moins qu'il y en a qui se débloquent après cette kill, ça je sais pas. Mais C'est où la pierre? Ah, il y en a plus, sérieux? Là où je suis. Tiens, 5. Boum de guérison? C'est pour te sec, ça. Oh. Cher 510, j'ai envie de rire. Regardez MTN à cause de toi, Masterbov. J'ai envie de te... re-regarder maintenant à cause de toi. Quoi? Ah, de re-regarder. Ok. J'ai lu te re-regarder sur ma droite, mais... Après, tu peux... J'ai envie de dire... Tu peux me regarder, hein. Je vais me faire aussi un arc et des flèches, y a moyen? I don't know, man. I don't know, man. Attends, si, j'en ai 9 sur moi. Dis-toi, t'as combien pour un arc? 9, bah tiens, c'est bon, c'est bon. Tiens. Non, pour les flèches, t'as pas besoin de planches, normalement, pour les flèches. Oh, planches. Pour les flèches? Ah ouais. Oh, putain. Merde, j'ai vu! Hein? Attends, tu te fais des planches? Attends, vous allez où, vous, bande de PD, là? Cher 510, je fais que ça, bébé. Master Love. I know. You get... Man, I know you like me. It's okay. MB officiel, merci, bébé. Merci beaucoup. Faites-moi un de 1B dans le chat, please, guys, pour MB officiel. Presque 2000 bits. Qu'est-ce qui me ping à ce temps-ci? Oh. Ah, gros, la porte dans le coup, elle est ouverte, gros, on m'a dit. Ah, c'est bon, c'est. Ah, ils sont sortis? Ils sont sortis, mais gros, t'es passé entre deux, t'es sérieux, tu les as pas cramés? Non, je les ai pas cramés. Il y avait la poule là et le lama là, et toi t'as fait ça.
Ouais, attends. Mec, j'ai pas capté. En fait, j'étais omnibilé par le... par mon inventaire et tout. Genre, j'ai même pas capté. Attends, vite, attends, du bois là. Tiens. Putain, mais je suis bête. Genre, les arbres, ils ont poussé, gros. Ça, Tu jures, j'aime pas faire attention. J'étais full naïf. Tiens, vas-y, tiens, gros. Tiens, juste en bas, gros. Tiens. 20, tiens, encore 10. Les armes, snake. On les voit, ouais. Mec, merci beaucoup pour ton message. Mais j'avais pas capté en fait. J'ai oublié qu'on avait des armes en fait ici, tu vois. Mais Mehdi, je pense qu'il a même pas capté, tu sais. Des armes. Des arbres. Presque. Pas des arabes, des arbres. Boss, Master Krato, Master Salut. Des arbres de pierre. Pierre, c'est vrai. Si, il y a plein de pierres, gros. Comment ça, il y a pas de pierres. Mais dis, tu peux. Eh, gros, s'il te plaît, augmente ton micro, s'il te plaît. Non, gros, c'est moi, j'ai juste bougé. Ok. Parle. Plastique. Parle. Attends, mais je cherche du plastique là. Ok, c'est bon. Putain, je peux pas ramasser. Tu fais combien de flèches? Moi j'ai fait 24 flèches. Ok. Faisant une trentaine, c'est bien. Ah ouais, mais la blague. Oh non, mais. Pff. Oh, cette vieille blague. Tu fais pousser des arabes sur ton bateau. Oh. Connard, va. Raciste de merde, va. C'est le mec qui s'emballe de ouf, tu sais. On bouge là. Vas-y. Attends, je suis cuir d'amande vite fait. Gros, comme ça, si tu veux de l'amande, gros, il y a du gros steak qui cuit, gros. Attends, je pousse ça. Et moi, je suis full. Tiens, Stink. Comme 4 sur moi, au cas où. Pas à ta droite. Ah, mais je veux dire une lance. C'est quoi ça? Ah, si bien. Merci, gros. Ouais. T'as pas, faut que je mange, gros, en vérité. C'est pas que j'attends que ta viande cuise et on y va. Ouais, ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, les gars, pour la bouffe, vous inquiétez pas. Pour tuer ça le fait. Il faut être au moins 4 joueurs, je pense. Bah non, par contre, on peut pas le tuer. Il peut pas être tué. Il est immortel. Deux bouteilles d'eau, je pense pas que ce soit très utile. Par contre, effectivement, je vais juste la remplir à fond. Merde. Juste la remplir à fond, en fait, ma bouteille. Boire à fond. Re-la remplir. Mais dis, je fais une hache pour ramener du bois parce que ma hache, elle va presque niquer en vérité. Vas-y. T'as une planche, vite fait, pour moi? Je crois que je les ai déposés dans un... Est-ce que je les ai posés? Là, tiens. Une, il manque une, gros. I need like one. Tiens. Thanks, sir. Ok, j'ai de la graille, j'ai de l'eau, je vais prendre encore plus de graille. Mais on y va, c'est bon, je suis full là. Échappe save déjà. Enregistrer le monde. Et là les gars, on est parti. Tu peux vraiment, mais super long. Ah, c'est dur. Tu peux le tuer, mais il y a un achievement. Ah, sérieux? Si l'ours peut être tué, pourquoi vous m'avez dit on peut pas le tuer? On verra après, je pense. Là, on fait l'île et tout. Vas-y, viens.
que là on fait l'ours, mais s'il y a. Ton micro, putain! T'as dit quoi? Ton micro, approche de ta bouche, gros. Mais dis, vraiment, on t'entend pas, frérot. Faut que tu dis, sinon je t'augmente, gros. Mais en fait, je t'entends vraiment pas, gros, frérot. Je te jure. Mais moi, j'entends pas. Donc le live, t'entends pas du tout. Putain, je veux vraiment finir ce jeu ce soir là, je veux voir la finalité. Oh, vas-y, go, bien sûr, faire attends, relais par relais là. Succès, il est chaud, c'est tout. Ok. Ah, t'as dit quoi? On va faire relais par relais. Ah, là, ce mec s'entend. Parfait là, eh, parle comme ça tout live, ok? Parle comme ça. Parfait. Mais parce que tu m'as augmenté là encore. Non, je t'ai pas augmenté, mec, t'es bien là, mec. Je sais pas si t'as vu ton micro là, mais il est parfait. Ah, faut pas si court, merde. Ah, vous l'entendez, les gars? Ok. Parce que moi, j'entends pas très bien en fait quand il parle. Quand il commence à parler un peu comme ça, tu vois, j'entends pas très bien. Du coup, je suis en mode, mais dis, gros, je t'entends pas très bien, gros, est-ce que tu peux parler plus fort? Et quand il parle comme ça, en mode, ouais, frérot, et tout, genre. Ça, c'est-à-dire, putain, il y a un ours en face. On est que ça, mais on fait pas. Chat, une question vous posez. Est-ce que vous voulez qu'on aille fight l'ours alpha ou pas? Attention. Ah, c'est lui, gros. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui en plus. Oh, putain, tu t'es bah passé oui. Devant moi, t'as pris une flèche dans la gueule. Vas-y. Fils de pute. Oh, go. Oh, fils de pute. Mais tu vas mourir, tu vas mourir, gros, tu vas mourir. Ah, c'est pas l'alpha, lui. Attends, prends d'abord les flèches. Voilà, prends d'abord toutes les flèches qu'il y a sur lui. C'est bon, je crois que c'est bon, là, non? Ouais, c'est bon. Non, lui, c'était pas l'alpha, lui. Là, il y avait ça, qu'on s'en fout. Ah, donc c'était plus haut, voilà, c'était plus haut. Là où il y a le. L'alpha? Non, l'alpha il est en bas. Tu vas avoir l'alpha? En fait, j'ai tué l'alpha juste pour dire qu'on a tué. En fait, il y a une achievement pour tuer l'alpha. Il y a peut-être moyen d'être au-dessus de lui en fait. Bah, c'est pas là. Hein. Là, on va être au-dessus de lui là. Non, je crois qu'on est. Attends, y'a quoi tout en haut? Ah, le parcours du combattant tout en haut? Ouais. T'es où, gros? T'es où? Ah, t'es là. Non, l'alpha. Je crois qu'on est au-dessus de lui. Mais ouais, il est en bas, il est juste derrière les sapins là. D'être en bas, derrière les sapins. L'alpha, vous aurez déjà tué, oui, c'est vrai. Quoi, attends, je descends. Attends. Ouais, c'est là. Hein. Attends, je suis descendu haut. In case of BS site. Ah, voilà. Et, non, c'était là, c'était à droite, c'était à droite. Il est là. On est parti à droite, rappelle-toi, on est parti à droite là, avec le panneau. Je monte, hein. Si j'ai moins de le Nikken par au-dessus. Non, mais t'es en bas, non? T'es ici là, le. Et où, wesh? Bah, là où, vers là où je suis là, je crois qu'il était là. C'est lui là? Ouais, c'est lui. Wesh, mais il est fat! Je pensais que c'était un rocher, gros! Tiens, je pensais que c'était un rocher! On fait comment? Je vais voir si je peux monter là-haut, là. Parce qu'en fait, il protège la grotte, gros, il protège la grotte. Donc soit on me dit ça va environ 60 flèches pour le tuer, gros. Donc, J'en ai 29. Mais le problème, c'est qu'en fait, vas-y, ouais. Nos arcs vont se péter avant de tirer les 29 flèches. C'est des arcs de merde, en fait. Tu veux faire quoi, là? En fait, soit il y en a qui fait diversion et il y en a qui rentre dans la grotte pour aller choper ce qu'il y a dans la grotte. Et où, wesh? Hein? Ok, moi je suis au-dessus de lui. Attends, deux secondes.
Ils ont fait exprès de mettre plein de sapins, on peut pas même pas le voir. Ah, ça, ah oui, ah, les bâtards. Le bon level design, tu sais. Il est en dessous, là? Non, non, il est juste au-dessus, lui, là. Si on tombe, il nous met un shoot. Hein. Parce que je vois l'entrée de la grotte, mais je le vois pas. Ah, les bâtards, ils ont fait exprès. Putain, on voit pas, putain. Putain, j'ai peur de tomber, putain. À gauche, ouais, c'est ça. C'est quoi, le jeu? C'est Raft. On peut pas être en face. Green Hell, pardon. Attention. J'ai tellement peur, gros. Non, je descends. Oh putain, je suis tombé. Vas-y, genre descends, et c'est de l'aggro. Tu le vois là, tu vois, il doit être devant toi normalement. Tu peux pas diminuer les graphismes. Hein? Non, il est là. Tiens, tu comprends pas quand vous parlez. Pourquoi vous voulez que je diminue les graphismes? Je comprends pas. T'es où? Oh, je suis mort. T'es tombé? Je suis mort, ouais, je suis mort. Oh non. Vas-y. Oh, t'as réussi. Il se rendort. Il s'endort là? Et il suit. Non, c'est bon, il s'endort. Ouais, il se rendort. Comment ça marche cette merde? Est-ce que c'est usage unique le baume de merde là, ou est-ce que c'est. Unique, je pense. Attends, vas-y. Mm. Tu peux sneak là dans le. Tu peux sneak là dans la grotte. Non, ah, il y a un truc là. Attends, mais il y a une caisse là. Entre toi et moi. Tu le vois la caisse ou pas? Bleu. Oui, non, mais c'est ça que tu poses les baies dedans et ça l'attire. Ah, gros. Je crois qu'il y a de ton côté, il y a moins de sneak dedans. Non, je peux pas sneak. Tu crois? Ouais. Non, je peux grave passer en gros. Non, je peux pas. Vas-y, c'est quoi, je la tire, ok? T'es prêt? T'es prêt ou pas? Dessus, ou... Je vais lui tirer dessus, il va m'aggro. Il va falloir que tu rentres dedans. Non, je vais lui tirer dessus et il va m'aggro. Il faudra que tu rentres dedans, ok? Et si je meurs, c'est que je perds tout mon stuff encore une fois là. Ah putain. T'es pas content de le canner là? On glitch. Apparemment, il est ultra chaud en fait. Oh putain, il est 2h. Okay, du coup, ça va maintenant, on continuera demain, vas-y. C'est mieux, non? Et genre, demain on finit le. On finit ça. Et après, on va sur un autre jeu FT ou un truc comme ça. On fait quoi? Dis-moi, vas-y. 2h du matin, c'est toi qui décides. Parce que, mec, moi, demain, je taffe pas, tu vois. Enfin, je taffe, tu vois, mais vous avez compris, quoi. Abonnez-vous. Merci beaucoup, MB Officiel Frérot, pour les. Encore une fois, tu sais quoi? Voilà, boss, Master Kratos. Monter là ou pas? Mais dis, ouais. Longe la paroi, je fais en confiance, longe la paroi et essaie de voir si tu peux rentrer dedans. Si tu peux, genre, dès que je te dis cours, tu fais demi-tour, ok? Genre, essaie de longer la paroi. Gros, il fait nuit, il dort. À moins qu'il ait un trigger, tu sais, au niveau de la grotte. Vais. Gros, dès que je te dis cours, dès que je fais tu te barres, ok? Et je longe là, je suis en train de longer. Vas-y. Applique le soin, fils de pute. C'est bon. Ça marche pas en fait. Ça marche pas. Ça va. Il t'a mis midlife. Midlife. Ah là, il m'a mis un coup, il m'a mis midlife. Et il est trop violent, il est vraiment trop violent. Oh putain. Bon, je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Tu le tires dessus? Tu veux l'aggro? Tu veux l'aggro toi? Vas-y. Vas-y si tu veux.
Non, tu l'as, raté, tu l'as raté. Mais pourtant, il a une flèche sur lui, non? Non, tu l'as raté. Non, mais tu touches par terre, gros. Tu touches par terre, là. Putain d'arbre de mort, quoi. Allez! Non. Il est béton, non, mais le tag, il est pas là. Mais tire de là. Tire de là. Non, mais je voulais me bloquer d'abord. GG, gros, vas-y, go, j'y vais. Oh, le fils de pute. Ah, il est malin. Oh, gros, cours. Ah si, mais ouais, mais il lâche la gros vite, en fait. C'est pas grave. Oh putain. Oh, je mourrai. Oh gros, il a failli me tuer, gros, encore. Eh, Alt F4, j'arrête. Non, c'est bon. Eh, on arrête. Gros, j'ai la méta, Snake. Non, t'as pas la méta, gros, on va mourir. Regarde-moi, gros. Tiens pas. Moi, j'en ai mis une. Attends, vas-y. Faut qu'on fasse une, chacun. Attends, tiens pas. À toi. Ah ouais, c'est bon, on a la méta, les gars. Attends. C'est ma dernière flèche. À toi. Petite flèche. Arrête-toi. Ah, mais en fait, il vient quand même vers toi quand je lui tire dessus. Bouge pas. On le baise. On baise. On baisse pas le game, nous. Bon, je tente un truc. Mais dis. Non, meurs pas, gros. Non, mais dis, putain, je dis, bouge pas, gros. Mais dis, bouge pas. Putain, remets-toi où t'étais. Bouge pas. T'as deux utilisations, le baume. Non, t'as bougé, gros. Ouais, t'as bougé. Je me suis rapproché. Bah nickel, bouge pas. Non, bouge pas. Reste à où t'étais. Ah putain. Bah nickel. Parfait. Ah, il régène. Je pense pas, les gars. Je pense pas qu'il régène quand il désagro. Je pense qu'il régène. Je pense surtout qu'il va mourir dans pas longtemps. J'arrive pas à voir si tu vois sa peau, elle est. Non, on le voit même pas sur les maps. Pardon. Fils de pute, mais dis. C'est bon. Il régène, vous êtes sûr? C'est une info chat ou c'est une info wiki? Non, t'as bougé, Mehdi. Putain. Fight, à main nue. Parce que nous sommes des guerriers. Et que j'ai pas peur de lui. Ah, mais là, si on meurt, on perd tout, non? Non, vas-y, laisse tomber. T'es mort?
J'ai eu chaud, chaud, j'ai compris la méta pour le fight. Ah, mais. Non, j'ai pas compris la méta pour le fight, frérot. J'ai pas compris. Non, je suis mort, J'ai vu gros, je peux avoir compris la méta. C'est ma grotte. T'as grotte, gros, t'es mort, t'es gros que t'es mort. Non, il s'est replacé. Oh non, t'es mort, gros, t'es tellement mort, je suis mort, gros. Non, putain. Ah, moi, hey, gros, quand tu sors, va à gauche, je vais me chercher et saute dans l'eau. Hey, recharge. Oh, laisse tomber, c'est de la merde. C'est de la merde, ce qu'il y a dans la grotte. Et quoi? Gros. Et quoi? Des champignons, et j'ai ramassé une caisse. Tu sais ce que c'était? Une machette. Juste une machette. Vas-y, mais tiens, tout ça pour ça aussi, putain, mais dites-nous quand on a des trucs de merde comme ça. Ça nous évite. Non, mais... mais gros, mais je m'en bats les couilles, cette machette. Les gars, on s'en fout de la machette, putain, mais on veut autre chose, on veut du lourd. Putain, on la veut... La merde, la machette. Je sais pas, ouais, on veut un lance-roquette, on veut une nuque, on veut un truc qui pète tout, putain, pas une machette, les gars. Putain, t'as dit pas de spoil. On me dit machette, on me dit la machette, c'est OP, apparemment. C'est-à-dire, là, si je mets un coup à l'ours, il meurt. Vous me tentez, moi je tente. Hein. Mais dis, non, attends, t'es encore dans le jeu là? Moi je vais canner, gros. T'es encore dans le jeu? Je vais canner parce que le problème c'est pas ça, c'est que la zone d'aggro, tu vois. Putain, oui, je suis encore dans le jeu. T'es encore dans le jeu? Oui, je suis encore dans le jeu. Je suis dans la grotte encore. Mais gros, en fait, je crois qu'on joue pas ensemble. Quoi, là, attends, mais je crois que depuis tout à l'heure, je joue avec un autre mec en fait, c'est pas toi avec qui je joue. Mais gros, c'est sûr, je joue avec lui. Là, t'es pas mort, là. Je te vois, là, t'es en train de l'aggro. Oh, nickel, merci. Hein? Quoi? Je suis mort, ce mec, je suis mort. Mais. Mais t'es con ou quoi, en fait? Mec, j'ai Alt F4 le jeu il y a 2 minutes ou 3 minutes. Mais non, c'est toi, là. Une porte, là. Attends, non, t'as mytho. Non, t'as mytho, tu joues plus le jeu, mais d'accord. Je rigole. Ah, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il raconte, gros? Tu m'as tué quand t'as dit. Mais je joue avec un autre mec depuis tout à l'heure. Je sais pas, gros. Là, tu me dis, je suis encore d'accord. Je sais pas, mais c'est chelou, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ah, j'ai toi. Non, eh, franchement, c'était marrant, ça. C'était marrant. Eh. Gros, je lui fais un bisou. Je lui fais un bisou dans le dos, il m'attaque pas. Sur la vidéo WAM. Alors, soit parce que t'as quitté. Bah oui, parce que j'ai quitté. Le serveur, il est bugué. Le serveur, je pense que le serveur est bugué, tu vois. Bah oui, c'est sûr, ça va bugger. Eh, demain, si on fait Raft, on commence plus tôt. On commence vers 21h. Fini à 21h, donc... Ah, tu finis à 21h demain? Ouais, donc à 21h30, je suis chez moi. Ah donc oui, on t'inquiète. On live à 21h, ouais. 21h30, on se tarde. Ouais, temps de faire mon intro, dire bonsoir, bonjour, bonne nuit, j'espère que vous allez bien. Ouais. Putain.